Bonjour, bonjour. Bonjour, Alfred, bonjour. Bonjour, fille bénie. Partagez le direct. Déjà, partagez le direct. Bonjour Paulette Chamber. Bonjour Moussa. Bonjour Judith. On partage le direct s'il vous plaît. Bonjour Ali Ben. Bonjour Doudungas, bonjour, bonjour, bonjour à tous. Connectez-vous, partagez. Bonjour petit poisson. Bonjour Libérez le Cameroun à tout prix. On partage le direct et on tague les autres, s'il vous plaît. On partage et on tague les autres. Bonjour Sabana, bonjour Copking, bonjour Jeannette. Bonjour Célestin. Connectez-vous, partagez en même temps pour qu'on puisse être nombreux, pour qu'on puisse parler de ces différents sujets qui nous tendent les nerfs en ce moment. En l'occurrence, ces présidents africains silencieux face à la mort de ses enfants. Bonsoir Daniel. Et nous allons également parler de cette histoire de Ndoki qui commence vraiment. Ouais, Ali Ben, depuis la Tunisie, c'est grave, je ne sais pas. Adi Sav. Ali sur le mur du secrétaire général du MSC, donc il a un agenda caché et très clairement, ça c'est clair. C'est clair que de plus en plus, plus le temps avance, plus on commence à se rendre compte qu'effectivement, il y a anguille sous roche et que Michel Ndoki vraiment s'est sorti et son retour fracassant n'est pas pour rien. Donc, on va aussi en parler tout à l'heure et la ligne, je vais même ouvrir la ligne comme ça, ceux qui veulent appeler pourront appeler pour donner leur avis. Donc, effectivement, ce massacre qu'il y a eu au Maroc, il y en a des Camerounais parmi. Hein. Je ne pensais pas qu'il n'y a pas des Camerounais parmi. Il y a des Camerounais parmi. Il y a toujours, il n'y a pas une traversée sans Camerounais. Il y a des Camerounais parmi. Donc, nous sommes tous concernés, l'Afrique est concernée. C'est ça que j'ai dit qu'également, on va suivre ce mouvement lancé par Kémi Séba. Bonjour, Junior Winter. En l'occurrence, le boycott de la compagnie Air Maroc, pour lequel je suis vraiment d'accord et nous devons vraiment beaucoup communiquer dessus pour que ça atteigne le maximum d'Africains possible. Hein, ça, ce sont des cas comme ça que la communauté et que tous les Africains, les Africains doivent être solidaires et unanimes pour poser ce genre d'actes. Parce que c'est quand même honteux que des gens se foutent de notre gueule jusqu'à ce point. À un moment donné, il faut savoir où donner et où
et à qui donner son argent. Donc, nous allons aussi parler de ça. Je cherche. Ce n'est pas la peine de vous connecter et de ne pas partager. Nous sommes 32 personnes. On peut faire un direct avec 32 personnes. Quand vous vous connectez, pensez à partager. Partager, ça ne demande pas de l'argent parce que là, on est 32, mais si je commence à vous demander des étoiles, on sera même peut-être 3 ou 4. Donc, partagez déjà le direct pour qu'on puisse être nombreux. Bonjour, Collins. Pour qu'on puisse être nombreux. Et c'est après que vous allez... C'est quand je vais vous demander les étoiles que vous allez être radin. Mais pour les partages, ne soyez pas radin parce que ça ne demande pas de l'argent. C'est complètement gratuit. Ça ne demande même pas 5 francs. Donc partagez. Au moins c'est ça, vous pouvez partager gratuitement. Ça ne demande pas de l'argent. Ou que vous soyez chiche avec les étoiles, je peux comprendre. Mais pas avec les partages. Là, nous sommes à 41 partages. C'est pas normal. Salut, Follap Moses. Salut, Nani et Yali. Salut, Méritocratie, Méritocratie. Salut à tous. Repartagez encore le direct, s'il vous plaît. Partagez. Il faut massivement le partager et taguer les gens que vous connaissez pour qu'ils viennent nous rejoindre parce que le sujet est important. Et quand les sujets sont importants comme ça, il faut vraiment les partager pour qu'on puisse être nombreux et pour qu'on puisse en discuter longuement, échanger longuement. Bonjour Marcelo. Donc, partagez encore dans les différents groupes. Ça ne souffre de rien, c'est gratuit. Bonjour Mylène Pavin, bonjour Manve. Donc encore un tour de partage. Mais vous connectez, dès que vous connectez, vous partagez. C'est comme ça qu'on fait. Dès qu'on se connecte, on partage. Parce que les sujets, si vous connectez, ça veut dire que vous avez vu les sujets qui ont été énoncés et que certainement ça vous intéresse un tout petit peu. Donc partagez. Voilà, on va commencer à animer la galerie avec cette histoire de José. Voilà. Donc depuis ce matin... Je ne sais pas si c'est depuis ce matin, mais moi, c'est arrivé dans mes oreilles. Pas aujourd'hui, mais c'est ce matin que j'entends les Yako, Yako, les je demande pardon sur la toile. Et j'ai cherché à savoir, mais pourquoi José demande pardon? Donc, et je me suis assise pour essayer de m'en imprégner en tant que femme, de savoir ce qui se passe, parce que j'ai entendu parler... J'ai entendu parler de la grossesse, de la deuxième grossesse de José. J'ai entendu la déclaration de Siré qui disait qu'effectivement c'était son enfant également. Et j'ai également entendu dire que elle va partir, la femme de José, la femme de. Oui, Céline, il faut partager le direct, partager. On fait d'abord le Japap. En attendant que vous partagez, on parle des choses inutiles, mais qui sont parfois utiles. Bonjour, Tontina avec papier. Des choses inutiles qui sont parfois utiles, mais on en parle quand même en attendant d'engager des sujets plus intéressants. Donc, vous dites, Colette vous dit qu'il est bloqué, donc vous devez partager même pour lui. Donc, si vous devez faire un tour de partage, faites plutôt deux tours, comme ça nous serons plus nombreux. Donc, je disais que j'ai vu ce matin que José, l'artiste José qui a chanté, j'ai rencontré Serré, vilain garçon, il m'a. Donc, moi j'aime bien l'artiste José hein, et je ne suis pas là moi pour juger les gens parce que les affaires de le mari de quelqu'un est monté, je suis mal placé pour juger. Mais ce qui m'a interpellé ce matin, c'est la partie où elle demande pardon. J'ai demandé que mais elle demande pardon à qui et elle demande pardon comment. Donc ça veut dire qu'elle a libéré le mari d'autrui et maintenant elle demande pardon pour tous les dégâts collatéraux posés. Où j'ai pas compris le sens du pardon de José. Parce que moi, je m'attendais à ce qu'elle dise que oui, vraiment, c'est vrai, j'ai fait mon deuxième enfant avec Serré J. Mais je demande pardon, je te laisse ton mari. La femme qui s'appelle, c'est Aline Sekio. Donc, je te laisse ton mari, vraiment, pardonne-moi. J'ai vraiment semé du bordel dans votre couple, mais je te laisse et ton mari et toi, je vous demande pardon. Mais tu prends le mari, tu demandes encore pardon. C'est quelqu'un qui te pardonne, ma chérie José. C'est pourquoi elle te pardonne comment? Ah là 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 là, j'ai tellement réfléchi à ça aujourd'hui. Je me suis dit, mais tout le monde n'est pas Nathalie. Tout le monde n'est pas... l'autre Ivoirien s'appelle encore qui est la femme de Georgette. Tout le monde n'est pas Georgette. Hein? C'est Georgette que même quand notre neuf renversé, six renversé pas, mais que n'importe où, il revient, elle laisse le... on lui donne le sac, on lui offre les sacs. Elle dit seulement, et le grand anniversaire, elle dit seulement, je te pardonne chérie. C'est pas toutes les femmes qui font ça. Voilà la femme de Serré qui dit que non, c'est trop. Elle s'en va. C'est trop.
Mais moi, la leçon à tirer dans tout ça, c'est vraiment, moi, la leçon que je tire, hein, c'est qu'on doit faire des mariages d'amour. Les mariages de raison, les mariages d'arrangement, les mariages de la souffrance, les mariages de oui, on a flirté ensemble, j'étais pompé 4-5 enfants et puis le gars se trouve contraint de rester. On doit arrêter avec ça. On doit faire des mariages d'amour, franchement. Parce que on peut dire tout ce qu'on va dire aujourd'hui, on peut condamner José, on peut condamner Sérédien, mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a de l'amour entre ces deux personnes. Il y a de l'amour parce qu'elle a fait un premier enfant, on a tout le monde jasé. On a cru qu'en parlant beaucoup comme ça, c'est arrivé aux oreilles de l'épouse de la maison. Ça n'a pas empêché qu'il y ait un deuxième enfant. Donc forcément, si un homme insiste comme ça pour aller faire avec une femme jusqu'à faire un deuxième enfant, ça veut dire qu'il y a de l'amour entre les deux et que peut-être à un moment donné, peut-être le pauvre n'est plus amoureux de sa femme à la maison. Faisons les mariages d'amour, mes soeurs, mais même mes frères. Arrêtez d'épouser les filles parce que, oui, la reconnaissance, elle m'avait aidé. Oui, parce que la famille l'a choisie. Oui, parce qu'on est du même village. Oui, parce qu'elle est musulmane comme moi. Arrêtons ça, parce que ça ne dure pas. Il y a toujours une femme qui fait battre le cœur de l'homme plus fort ailleurs. Et ça devient un supplice, un calvaire. Les mariages d'arranger là, que c'est la femme de la famille, le choix de l'oncle, le choix de la mère, le choix du père, le choix du tonton, non, le choix de ceci, il faut qu'on arrête avec. Parce que quand on voit tous ces couples qui se défont, c'est parfois par manque d'amour. Hein. C'est parfois par manque d'amour, c'est pas toujours. Non, il n'y a pas d'amour. Parce que pour laisser sa femme comme ça et aller prendre José, ah ben, c'est quand même violent pour la pauvre épouse. C'est quand même dur. Quoi qu'on dise, c'est très violent. Mais est-ce que j'ai même dit qu'elle a volé? J'ai dit que prendre, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai dit tout simplement que s'il n'y avait pas l'amour entre José et Sérédier, ils ne seraient plus ensemble parce que c'est quand même une histoire qui a défrayé la chronique. C'est une histoire qui a quand même fait. En fait, on en a parlé partout, ça te m'a fait jaser quand elle a fait le premier enfant. Le gars a même voulu nier pour protéger un peu son couple, mais elle a dit non, je ne cache pas, c'est l'enfant de Sérédier. On s'est dit que bon, ça va, un enfant, oui, c'était une erreur, oui, il a trébuché, oui, il a même encore. Après cette infidélité, le gars a même réaffirmé son amour à son épouse. Et ça, c'est le comportement des parfaits hommes infidèles. C'est-à-dire que dès qu'il te trompe, c'est là où il fait des déclarations publiques, j'aime ma femme, il montre au monde, il fait une photo, il publie partout pour montrer que c'est toi qui l'aimes. Mais. Ça n'a pas duré longtemps au Paris. Parce que les comportements, oui, il te trompe et puis le lendemain, il t'offre une voiture, il te trompe, le lendemain, il t'offre un bateau. C'est ce comportement type des hommes infidèles. C'est-à-dire, c'est écrit dans le livre de l'infidélité. Ça, c'est leur comportement. C'est-à-dire, du moment où tu as déjà fait le tapis d'eau, il vient là, lui, il fait une photo, il prend ta photo, il prend vos photos, il met ça sur la toile. Il prend vos vidéos, il met sur la toile pour montrer au monde. C'est pathétique. C'est pathétique. Et puis la pauvre femme de Sérédier, elle s'est certainement dit à cette époque que oui, si mon mari me renouvelle son amour comme ça à Mondovision, il me demande pardon comme ça à Mondovision, certainement qu'il n'ira plus entrer dans ce trou. Et ah, ben que ni. J'ai dit que maintenant, Mylène Pabin, les excuses, ça, c'est les excuses, en fait. Moi, je pense que les choses qu'on dit que oui, quand il n'avait rien, là, tu l'as supporté. Donc, maintenant qu'il a un peu, il faut vraiment qu'il reste avec toi. Je vous assure. C'est vrai que moi, je tenais ce langage-là, il y a encore de cela quelques années, disait que oui, vraiment, on a cherché ensemble, on va manger ensemble. C'est de la pure foutaise. C'est de la pure foutaise. C'est parce qu'on a cherché ensemble qu'on a besoin de manger ensemble. On n'a qu'une seule vie. Et à un moment donné, il faut vraiment qu'on vive qu'on la vive, qu'on ne meure pas avec des regrets. Ah non, non, non. Qu'est-ce que tu entends que le vrai amour ne cause pas de douleur libérée au Cameroun? Tous les amours causent des douleurs. Tout amour cause des douleurs. Tu sais, même la femme de ce monsieur, peut-être il y avait aussi un homme quelque part qui était amoureux d'elle. Et le fait peut-être qu'elle a peut-être refusé cet homme pour aller se mettre avec Sérédier. Toute forme d'amour cause des douleurs. Mais qu'est-ce que tu. Quand tu dis que José est cruel, elle est cruelle comment? C'est le garçon qui est cruel. C'est le garçon qui est cruel parce que c'est lui et lui seul qui aurait pu mettre un terme à ça. De façon. Pourquoi moi je ne comprends pas pourquoi on condamne cette femme alors au lieu de condamner l'homme.
C'est ça. Oh, on a cherché ensemble. Oh, quand il jouait dans Hirondelle Club de Yopougon, j'étais avec lui. Donc maintenant, là, vraiment, qu'il est maintenant devenu professionnel, on doit manger l'argent ensemble, qu'il même ou qu'il n'est même pas. Mais peut-être que tu étais le niveau de femme de Hirondelle Club de Yopougon, mon ami. C'est ça. Et que maintenant que le gars s'est lavé, maintenant ses yeux voient bien, il voit autre chose. Bonsoir Suzanne. Maintenant que le gars, ses yeux voient autre chose, il ne voit plus la fille qui le scotait qu'elle était dans Hirondelle Club de Loupougon, il ne voit plus la même chose. Non mais c'est, je dis tout simplement, il faut qu'on tire des leçons de toutes ces vies qui se brisent, de tous ces mariages qui se défendent, de tous ces supportons, tu as fait 3 enfants avec, reste avec lui, tu vas encore chercher quoi ailleurs. Ça, ce sont des choses. Non, je ne suis pas solidaire de José, franchement. Non. Ce n'est en aucun cas de la solidarité parce que pour moi, pour ma part, quand le monsieur a fait le premier enfant avec elle, c'était l'occasion, c'était le moment précis, s'il aimait son épouse, de mettre un terme à cette relation. C'était le moment précis. Mais si après ça, il a encore continué à aller tremper son bâton là-bas, ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui le retenait et qui ne faisait que l'amener là-bas. Ce n'est quand même pas José qui était de chez elle, portait ses 2 pieds et allait attraper ce monsieur. Je suis désolée. Mais peut-être qu'il a même voulu laisser José, mais il n'a pas seulement réussi, son cœur n'a pas tenu. Mais rappelez-vous, même Drogba a divorcé, non? Même Drogba a divorcé, non? C'est-à-dire qu'après avoir supporté la femme qu'il avait quand il était dans Hirondelle Club de Yopougon, il a supporté, mais à un moment donné, son cœur a lâché. Parce que effectivement, peut-être. Non, parce qu'il y a quelque chose qu'on connaît le plus. Moi, je sais une chose ici, c'est que chacun, au jour d'aujourd'hui, c'est que chacun est libre d'épouser qui il veut. Il n'y a plus que, je t'ai supporté, on a cherché l'argent ensemble. Mais même si tu es avec un homme, pendant qu'il cherchait pour lui, tu as cherché pour toi. Pendant qu'il cherchait pour lui, parce que nos mamans et nous, et même nous-mêmes, là, on a beaucoup gardé la rancune et la rage. Reviens après pour les vrais sujets de Taurine. On fait encore le japap, le temps qu'on atteint même 60, parce que là, ça n'avance pas, vous ne partagez pas. Dis donc, elle détruit quelle famille? Elle est la première personne qui détruit les familles, dis donc. Vous parlez, José détruit une famille. Elle détruit quelle famille, dis donc? Et c'est ça. Elle détruit les familles. On n'a pas détruit la famille de Eto. C'est la famille de José, c'est la famille de la femme de l'autre qu'on va détruire. Dis donc, la vie est ainsi faite. On doit, il faut que chacun reste avec la personne qu'il aime ou qu'elle aime. C'est comme ça. Les mariages d'arrangement, les mariages de compassion, les mariages de reconnaissance, les mariages familiaux, ça doit s'arrêter à un moment donné. Voilà. C'est enfant, c'est le garage. Personne ne va gérer. Mais est-ce que... Non. Faut pas dire ça. Hein. Faut pas dire. Peut-être que le mari de cette femme est caché quelque part. Peut-être que son mari est caché quelque part. Bonsoir Thomas. Peut-être que son mari est caché quelque part. 5 enfants, c'est quoi? Vous n'avez pas vu que Macron a pris Bustaï comme un enfant. Et quand vous prenez 5 enfants, quand le prochain ne veut plus d'enfants, il prend ses enfants et en plus, le papa va payer pension alimentaire. Le premier, il est où? Que de forcer comme ça que le mari te ridiculise, de ridicule en ridicule, de dérision en dérision, c'est encore mieux de rester seul. Moi, je trouve qu'elle a pris une sage, décision de quitter son mari. C'est une très, très, très sage décision. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que arrêtez d'envoyer vos soeurs, vos frères et vos enfants dans des mariages d'arrangement. Oh, on a grandi ensemble, on était au lycée ensemble. Oh, quand ils vendaient les beignets, je partais souvent l'accompagner, donc, du coup. Même si José ne l'aime pas, lui, au moins, il aime José. Sinon, allez faire encore le deuxième enfant. On t'a attrapé dans l'histoire des pinaillements. C'est toi qui pars encore pinailler jusqu'à mettre le deuxième enfant. Ce n'est pas amour que c'est quoi, alors. Bon. Revenons au vif du sujet. Allez, partagez le direct. Maintenant, on va commencer les choses. Alors, Patrick Monge demande s'ils sont morts ou s'ils sont en vie. Alors, la majesté qui sont là sont presque, je vais dire, ils sont entre la vie et la mort. C'est-à-dire, ceux-là, c'est ceux qui ont survécu, mais sont encore en état de choc, sont encore sous le choc. Et là, comme ça, on a que de les menoter, soi-disant pour les faire rentrer dans leur pays. Moi, ma question est, les gars sont encerclés.
Ils sont là où on les a arrêtés là-bas, ils sont encerclés. On les enchaîne les mains, on les menotte les mains en arrière. C'est quoi le projet? Puisqu'ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas fuir. Ils ne peuvent pas sortir de ce centre. De passer à quoi? De les attacher encore. Et on les attache, on leur donne les coups de pied, on tape sur eux. Ça, comme ça, ce sont des migrants, ce sont des Africains, des Camerounais. Il y a des Camerounais parmi. Hein. Il y a des Camerounais parmi. Moi, j'ai vu dans un groupe le nombre de Camerounais qu'il y avait parmi. Je n'ai pas voulu publier ça sur la toile parce que il faut encore bien vérifier cela parce qu'on parle déjà de 200 morts. Voilà, on parle de 200 morts. Moi, je reparle encore de ça parce que Kemi Seba a lancé depuis hier le boycott de Royal Air Maroc. Et je suis sûr que parmi vous, il y a des gens qui se demandent que, mais pourquoi ils boycottent Royal Air Maroc? Pourquoi ils vont boycotter les Marocains? Les Marocains ont fait quoi? Mais ces gens-là devaient rester chez eux. Pourquoi ils ne restent pas chez eux? Hein? Pourquoi ils partent chez eux pour venir ici? Vraiment, non. Je vais vous dire une chose qui est très simple. Oui. Ces jeunes enfants, ces hommes et femmes ont certainement tort de vouloir entrer. Rowan! Ont certainement tort de vouloir entrer clandestinement dans d'autres pays. Oui, ils ont peut-être tort de fuir la misère, de fuir la non-pratique de la démocratie dans leur pays d'origine. Oui, ils ont certainement tort de fuir même la guerre dans leur pays. Ça, c'est une certitude. De ce côté-là, ils ont tort. Mais quelle est la raison qui peut pousser les Marocains à les tabasser ainsi? C'est quelle raison? Oui, arrêtez-les tout simplement, faites-les retourner dans leur pays d'origine. Vous n'avez pas besoin de les taper dessus, de leur donner des coups de pied, et puis de les mener comme si c'était des voleurs. Ce ne sont pas des voleurs, ils n'ont rien volé. Ils veulent seulement traverser votre pays pour aller dans un autre pays. Ils n'ont même pas dit qu'ils viennent rester au Maroc. Ils disent qu'ils veulent seulement traverser pour aller en Espagne et tout. Ils n'ont pas dit qu'ils partaient du Cameroun ou du Congo ou de la Côte d'Ivoire pour venir rester au Maroc. Non, ils transitent et on les arrête. On les inflige des comportements comme ça. Et moi, depuis que cette histoire est sortie, je me suis dit, le roi du Maroc, merci pour les étoiles, Victor, merci. Voilà, il y a des gens qui n'attendent même plus qu'on leur rappelle de mettre les étoiles. Elles savent tout simplement qu'elles doivent mettre les étoiles parce que VDK doit rembourser, a beaucoup de dettes qu'elle doit rembourser. Merci pour les étoiles, ma chérie. Donc, Royal Air Maroc, le roi marocain, je pense que c'est un roi qui est là-bas. Oui, oui, c'est un roi. Le roi, c'est Hassan II, c'est Hassan combien? Le roi, on disait même qu'il était... Tchelé, là, je pense, et que sa reine vraiment lisait l'heure, parce qu'il n'y avait pas elle ne voyait pas le tendon. J'ai quand même entendu ça. Bon, bref, c'est pas ça le sujet du jour. Donc, le roi du Maroc, étant un roi, pour moi, qui, je sais pas, un homme, un être humain, aurait peut-être dû s'indigner, faire même un communiqué, faire des représailles, dire à ces gens que... ce n'est pas normal qu'on traite des êtres humains comme ça, même si ces Africains-là viennent chez eux, le pays des Blancs, pour pouvoir traverser, pour aller encore chez les autres Blancs. Ce n'est pas comme ça que eux, les Blancs marocains, doivent traiter les Africains. C'est tout simplement triste que les Marocains ne s'indignent pas par rapport à ce traitement inhumain qu'ils infligent aux gens. Ce n'est pas normal. On ne peut pas, ces mêmes Marocains qui sont ici, en Europe, qui sont dans des pays occidentaux, quand... tu touches seulement leur orteil, ils te disent que oh le racisme, oh on m'a tapé parce que je suis arabe, on m'a tapé parce que je suis ceci, oh vraiment en France ils sont racistes, oh je suis victime de racisme, oh je suis victime de ceci. Vous ne pouvez pas reprocher des choses aux gens dans les pays où vous êtes allé rester et vous appliquez les mêmes choses chez vous et vous trouvez cela normal. Parce que le même racisme qu'on critique ici, dès qu'on te touche quelque chose, oui, il m'a fait ça parce que je suis une cassa, oui, il m'a fait ça parce que je suis ceci, oui, il m'a fait ça parce que je suis africain, oui, c'est ceci, oui, non, c'est parce que je ne suis pas blanc. Mais toi-même qui es africain, qui es sur le continent africain, ton frère africain vient pour traverser, pour aller de l'autre côté, tu le tabasses de la sorte. Il y a même ceux qui étaient presque mourants, on les a seulement achevés, alors qu'on aurait pu prendre les conduits dans les hôpitaux, les prodiger des soins, et qu'ils puissent se remettre. Non. Ce traitement infligé aux migrants est tout simplement inhumain. Et les représailles doivent s'en suivre. Et ce qui me fait encore même le plus mal, c'est le comportement des présidents même alors de ces pays, tels que le président camerounais, le président sénégalais, le président ivoirien, tous ces présidents de l'Afrique noire devraient normalement, en temps normal,
faire sortir, de, sortir d'une seule et une voix et s'adresser au président marocain en leur disant qu'on ne peut pas, ils ne peuvent pas accepter qu'on traite les ressortissants de leur pays de la sorte. Mais je ne vois aucun président parler. On a vu ici, les gens sont morts ici à Paris, à Notre-Dame, c'était à Notre-Dame, c'était à quelle église là. Tous les présidents africains ont rendu les copies, ont adressé les messages à Macron pour leur dire comment ils ont appris qu'il y a telle maison, les gens sont morts à tel endroit. Oh, le président, ceci, tous les présidents. Mais voilà des gens, voilà quelque chose qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui se passait depuis quelques jours au Maroc? Les présidents africains de l'Afrique noire sont aussi silencieux. J'ai vu aujourd'hui le communiqué, un post, une publication de Macky Sall qui dit qu'il est triste que l'âme des gens, de ceux qui sont décédés repose en paix et que ceux qui sont dans les hôpitaux, il les souhaite une prompte guérison. Aucune critique par rapport au traitement, aucune critique par rapport à l'attitude des Marocains à l'endroit de ces migrants. Aucune! C'est-à-dire, bonsoir, monsieur Lulan. C'est-à-dire, j'ai l'impression que. Oh, même les. C'est-à-dire que je veux qu'on comprenne que oui, vous avez même peur des présidents qui sont loin en Europe parce que vraiment, c'est eux qui vous commandent. Mais même là, à côté, comme ça, en Afrique, là, vous avez peur des présidents là. J'ai dit que donc, même en Afrique là, les présidents là, c'est-à-dire que le Maroc, l'Égypte, la Tunisie, même, donc même là, même cela là, ça vous dépasse. Même eux là, vous avez peur de leur dire quelque chose. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors que c'est à cause de vous que ces enfants-là fuient le pays pour aller chercher une meilleure vie ailleurs. C'est à cause de votre mauvaise gestion du pays, des pays africains. C'est à cause de vous. Vous êtes aussi silencieux. Même si vous avez honte. Je conçois que vous ayez honte parce que c'est votre mauvaise gérance qui fait en sorte que ces enfants-là aillent mourir. Je peux le concevoir. Mais ça n'empêche pas que vous puissiez pousser votre rang le bol et dire à ce président marocain, à ce roi marocain, à cette population marocaine qu'on ne traite pas les êtres humains comme ça. Que c'est indigne d'un pays frère, d'un pays voisin. Si ils se permettent de le faire parce qu'ils se disent qu'ils ont la peau blanche et que ceux-là qui viennent pour traverser ont une autre couleur de peau, c'est tout simplement méprisable. Parce que ici, dans les pays où nous vivons, eux aussi ont la même peau que ces gens. Mais ils se plaignent du mauvais traitement des Européens. Ils se plaignent de plein de choses. Tu ne peux pas être en train d'appliquer quelque chose d'aussi horrible dans ton pays. Et quand tu l'as appris dans un autre pays étranger, tu te plains que, les Français sont ceci. Oh, vraiment, les Français sont cela. Alors que dans ton... Bonsoir, Michel Tchatchouan. Alors que au Maroc, vous êtes pire. Tous ceux qui passent par le Maroc déplorent les mauvaises conditions, déplorent le mauvais comportement, tout ce qui passe par là. Donc, c'est vrai que ce n'est pas un mensonge, c'est une réalité, qu'il y a une méchanceté, vraiment, qui est installée dans ce pays. On n'est pas en train de chercher à faire pitié, où c'est Mère Cathy, où c'est qui, mais ce n'est pas ça le problème. On doit dénoncer. Ce n'est pas parce que tu fuis la guerre pour aller dans un autre village ou bien comme les gens partent. Donc, comme les gens fuient la guerre peut-être à Kumba, à Bamenda, pour aller à Yaoundé. Ils doivent venir à Yaoundé, on les maltraiter parce qu'ils ont fui la guerre dans leur village d'origine pour aller dans un autre. Non, non. En fait, je ne pense pas. Ces jeunes, même ces jeunes-là qui sont en train de fuir, ils fuient parce que nos pays sont mal gérés, mal gouvernés. C'est pour ça qu'ils fuient. Ils fuient parce qu'ils sont à la recherche d'une vie meilleure. Ils se disent que là-bas où nous sommes, du côté de là où nous sommes ici, quand ils regardent sur les réseaux sociaux que quelqu'un qui est parti hier et qui est arrivé aujourd'hui, ils voient seulement que celui-là est déjà assis à côté de Macron. Ils rêvent. Chacun a le droit de rêver. Mais si les présidents africains, le président camerounais, si on ne montre pas ces images aussi choquantes, aussi effroyables, dans les chaînes de télévision, que ce soit la CRTV, que ce soit Equinox, que ce soit dans toutes les chaînes de télévision, comment pensez-vous que les gens vont être sensibilisés? Sensibiliser, c'est diffuser, c'est en parler, c'est relayer l'information, c'est de montrer ces images choquantes aux gens pour qu'ils puissent comprendre qu'effectivement, la traversée de la Méditerranée est périlleuse. Oui, de conseiller les parents qui envoient leurs enfants, parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'il y a les parents qui prennent les tontines pour envoyer leurs enfants.
Et il y a des gens qui vendent même leur commerce pour partir. Vous souvenez dernièrement, on avait montré une jeune femme qui est morte au désert. Elle avait vendu son salon de coiffure à Douala. Elle avait tout un salon de coiffure. Elle a vendu parce que, pour elle, elle pense que c'est quelque chose de facile. Alors que s'il y a 10 personnes qui traversent, 8 meurent. Et 2 traversent. 8. C'est difficile. C'est très difficile. Si on sensibilise dans nos pays, si à la CIA TV, si à Equinox, on relayait ces images, on faisait des postes publicitaires pour montrer aux gens que effectivement cette Méditerranée dont on parle tous les jours, c'est un aspirateur, c'est une tombe ouverte. On ne peut pas, et même dénoncer cette façon inhumaine dont les Marocains traitent ces migrants. Ce n'est pas possible. On ne peut pas rester aussi silencieux. On ne peut pas. Ce n'est pas tolérable de traiter. Les êtres humains ne sont pas du bétail. Peu importe leur couleur, la couleur de leur peau. Ce n'est pas du bétail. Et ça, ce sont les choses qu'on doit dénoncer, relayer cette information au maximum. Eh oui, au maximum. Donc, quand on vous dit qu'on doit boycotter Royal Air Maroc, ce n'est pas la blague. On doit boycotter parce qu'effectivement, vous savez, depuis que ces compagnies-là ont vu le jour, et pas qu'ils ont vu le jour, depuis qu'ils ont diversifié leur ligne, parce qu'effectivement, dans nos pays, ils viennent concurrencer les compagnies aériennes dans d'autres pays. Moi, au Cameroun, il n'y a pas de compagnie aérienne. Donc, même Royal Air Togo peut venir chez nous. Parce qu'au Cameroun, il n'y a pas de compagnie aérienne. Mais dans d'autres pays, tels que la Côte d'Ivoire, le Sénégal et tout, il y a des compagnies aériennes. Et ces compagnies telles que les Royal Air Maroc et Air Tiki viennent concurrencer ces compagnies locaux. Parce que Royal Air Maroc, c'est la compagnie marocaine. C'est la compagnie que les Marocains empruntent pour aller chez eux. Donc quand nous, on vient pour prendre ça pour aller au Cameroun, c'est peut-être parce que chez nous au Cameroun, il n'y a pas de compagnie aérienne. Mais chez vous en Côte d'Ivoire, chez vous au Congo, chez vous au Sénégal, il y a des compagnies aériennes. Prenez des compagnies aériennes de vos pays. Arrêtons de prendre Royal Air Maroc parce que si le gouvernement marocain avait vu que le comportement de son armée, de ses hommes, était inhumain, il allait faire une sortie pour parler, pour dire qu'on ne traite pas les êtres humains comme ça, même si c'est des migrants, même si ces gens qui viennent dans leur pays les mettent peut-être mal à l'aise, parce qu'il faut, il faut le souligner, parce que même ici en Europe, certaines personnes, quand ils nous voient, ils nous appellent les immigrés, ils ne sont pas contents de nous voir, ça les met mal à l'aise et tout. Même s'il y a ça, il y a ce petit côté-là. Mais est-ce une raison pour qu'on traite des gens de la sorte? Il aurait dû faire une sortie. Mais le silence du roi marocain le rend coupable et complice des actes posés par des gens de son armée. Oui. Parce qu'il aurait pu attirer leur attention là-dessus en leur disant, évitez, ne faites plus ce genre d'actes. S'il y a des immigrés, faites-les rentrer chez vous parce que l'Union européenne subventionne ce pays, parce qu'ils sont bien rendus compte que c'est une passerelle, c'est un endroit de transit, c'est où tous les migrants, tous les gens qui fuient, la misère chez eux viennent passer pour tomber directement en Espagne. Parce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que tu traverses seulement la barrière du Maroc, tu tombes en Espagne. C'est pour ça qu'on comprend les Marocains et les Espagnols. Donc, effectivement, ils reçoivent des subventions par rapport à ça. Donc, ils n'ont pas le droit de traiter ces gens, de traiter ces migrants de la sorte. Et tant que nos présents africains de l'Afrique noire vont rester silencieux, ne rien dire, ça donne encore plein pot et plein pouvoir à ces Marocains de bien piétiner ces migrants. Et ça, on ne peut pas continuer à laisser et à rester indifférent face à ça. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de boycotter cette compagnie, acheter les billets dans vous, même s'il y a 50 euros, 100 euros de différence, c'est encore mieux d'acheter les billets qui vont de vos compagnies locaux, de boycotter cette compagnie marocaine. Ce roi, le roi Hassan II, est complice de ce qui se passe dans son pays parce que c'est à lui de mettre un stop à ça. Quand on traite, quand ta population a un comportement d'animaux, c'est à toi de faire comprendre qu'on ne se comporte pas comme ça. Comment donc, si Hassan II ne dit rien,
par rapport à ce comportement que les Marocains infligent aux migrants africains. Comment donc Assane va dire quelque chose quand ici en Europe où nous sommes, demain si les Français nous infligent ou infligent aux Marocains le même comportement, hein? Il ne dit rien, il reste silencieux. La communauté internationale ne dit absolument rien. Les présidents africains ont peur de dire quelque chose. Personne ne dit rien. Pourtant, on compte aujourd'hui 200 morts. Et ce ne sont pas les 200 premiers morts. Il y en a toujours. Il y en a toujours eu plus. Mais c'est que plus le temps passe, plus ça devient tellement récurrent qu'il faut à un moment donné de mettre un stop à ça et trouver vraiment des vraies solutions. Parce que ces gens qui me sont passés par du bétail sont des êtres humains. On ne peut pas arrêter des gens qui sont partis en enfer dans cette traversée. Dieu leur a dit que non, on ne vous prend pas. Ça a pris une partie. Ceux-là qui ont survécu, on les menote, on les tape dessus, on les donne des coups de pied et tout et tout. Quelle est la raison pour laquelle on les menote là actuellement? Est-ce que ces gens peuvent s'évader de ce camp? Non. Est-ce que ces gens ont la force de se lever et de réagir? Non. Est-ce que ces gens sont une menace à l'heure actuelle où ils sont dans ce camp? Non. Alors pourquoi? Pourquoi? Non, j'ai pas reçu tes étoiles, Serge Gislain. J'ai pas encore reçu. Peut-être que c'est en train de passer par le Cameroun avant d'arriver ici, mais j'ai pas encore reçu. Voilà. Donc, partagez le direct encore, s'il vous plaît. Comme je vous ai dit, si vous ne pouvez pas mettre les étoiles, au moins partagez. Parce que si on vous demande de mettre les étoiles, vous dites que vous n'avez pas l'argent. Mais même partager, ça ne demande pas de l'argent. Partagez le direct pour qu'on soit plus nombreux. Parce que plus on est nombreux, et mieux c'est. Et mieux l'information va passer. Merci Marie-Thérèse. Merci Thérèse, Judith Nialle. Merci Malion. Merci infiniment pour les étoiles. Donc, partagez encore le direct. Nous devons, nous Africains, comprendre aujourd'hui que quand tu vois ton frère malien en route, bien ton frère sénégalais, dis-lui que mon frère, si tu vas aller au Sénégal, hein, si tu vas aller au Mali, prends la compagnie du Mali. Même si c'est 50 euros ou 100 euros plus cher, prends cette compagnie. Ne prenez plus Royal Air Maroc. Moi, dans un groupe où je suis, un groupe panafricain où je suis, j'entends des gens dire qu'il faut qu'on organise une manifestation devant l'ambassade du Maroc ici en France. J'ai même entendu certains avancer une date, la date du vendredi 1er. Je vous assure que s'il y a une manifestation à l'ambassade du Maroc ici, j'irai. Parce que c'est intolérable. Si on peut, si les gens peuvent pouvoir obtenir une autorisation pour que les Africains de tous bords aillent manifester devant l'ambassade du Maroc, il faut qu'on y aille. On doit boycotter cette compagnie avec la plus grande virulence. C'est de ça qu'il est question. On doit les boycotter, les faire comprendre que si eux, ils se considèrent africains, comme africains blancs, nous sommes africains tout court. On a tout considéré qu'on était tout du continent africain. Sinon, qu'ils nous expliquent pourquoi ils jouent la Coupe d'Afrique avec nous. Sinon, ils nous expliquent pourquoi ils participent à la Coupe d'Afrique. Ils devraient plutôt venir participer à la Coupe d'Europe ici, à la Champions League. S'ils ne sont pas africains, qu'ils nous le disent. Quand ils peuvent venir gagner la Coupe d'Afrique des Nations, là, ils sont africains. Ils se reconnaissent africains quand il faut se qualifier pour aller à la Coupe du Monde. Ils se reconnaissent, ils sont africains. Ils ne voient pas la solidarité des Européens. Ils ne voient pas. Hein? Ils ne voient pas. Quand, si c'était les Italiens qui avaient comme ça été malmenés à la frontière de la France, le gouvernement italien serait levé pour parler. Et si ça avait été des Français, le gouvernement français serait levé pour parler. Si les Marocains ne veulent plus être africains, qu'ils nous disent qu'ils ne sont plus africains, qu'ils ont eu le privilège, je ne connais qu'un privilège, ou la chance d'avoir la peau blanche, ils veulent se reconnaître européens, qu'ils viennent, qu'ils nous laissent tranquilles. On ne peut pas être du même continent et avoir et infliger de tels comportements aussi ignobles à l'endroit de ses semblables. Et s'ils trouvent que, comme nous, on est de couleur noire, et qu'on n'a pas la même couleur que donc du coup ils sont supérieurs à nous, qu'ils nous le fassent savoir. Si la différence de couleur rend un autre homme supérieur à l'autre, il faut qu'ils le nous disent. Parce que c'est inhumain. C'est inhumain de traiter ses semblables pareils. De la sorte, c'est inhumain. C'est inhumain.
demeure dans les pays où vous avez aussi immigré. Parce que si c'est le Maroc que vous défendez tellement, le Maroc que vous défendez bec et ongle, c'était tellement bien, vous faites quoi dans d'autres pays européens? Vous faites quoi partout en France? Vous faites quoi partout dans le monde? Vous faites quoi? Hein? Vous aussi, vous êtes des immigrés quelque part. Vous avez aussi traversé des frontières pour aller dans d'autres pays. Vous donnez des coups de pied aux gens, vous menottez les gens, on dirait des animaux, alors qu'ils sont des êtres inoffensifs. Reprenez-les tranquillement. Prenez l'argent que l'Union européenne vous donne. Remettez-les dans n'importe quoi. Vous les renvoyez dans leur pays d'origine. C'est tout. Vous n'avez pas besoin de les humilier, de les mépriser de la sorte. Pourquoi quand nous, les camps, ces mêmes migrants qui ont du mal comme ça à traverser, réussissent, et quand ces mêmes migrants viennent pour acheter les biens, pour acheter les biens de vos compagnies, pour entrer dans leur pays, pourquoi vous décevez ces pays? Pourquoi vous décevez ces pays? Pourquoi si vous n'êtes pas africain, pourquoi vous décevez les pays africains? Hein? Pourquoi vous décevez les pays africains qui sont à côté? Décevez seulement votre propre pays. Pourquoi vous venez décevez l'Algérie, la Tunisie, ce qui est à côté de vous là? Ne nous décevez plus. Si vous ne supportez pas notre couleur, vous ne nous supportez pas parce qu'on vient vous envahir. Mais vous supportez notre argent parce que notre argent n'a pas de couleur. C'est pour ça que nous, Africains, je dis bien Africains, quand je dis Africains, vous comprenez très bien, vous n'avez plus besoin de faire un dessin. Vous devez boycotter cette compagnie. Vous devez la boycotter avec virulence et avec rage. Bonsoir, Colès. Bonsoir, Félix. Bonsoir, Carole. Vous devez la boycotter. On doit absolument boycotter cette compagnie. Et s'il y a une marche qui est organisée ici en France, j'exhorte tout le monde à sortir. Mais on doit continuer, Cathy. On doit continuer. Tu sais, la sensibilisation ne s'arrête jamais. Quand le sida est sorti, c'est pour te parler de la sensibilisation, ma chérie. Quand le sida est sorti, ça fait combien d'années que le sida est sorti? Hein? Ça fait combien d'années que le sida est sorti? Ça fait des années. Ça fait plus de 20, plus de 25 ans qu'on entend parler du sida. Est-ce que tu penses que la première année où cette histoire est sortie, quand on parlait en disant, moi le préservatif là, quand je mets ça, je ne sens rien. Ah vraiment, le préservatif là, moi j'aime le contact direct. Ah vraiment, ah vraiment, ah vraiment. Mais au jour d'aujourd'hui, ce même préservatif qu'on a eu du mal à accepter, qu'on a eu du mal à faire avec, s'est installé dans nos mœurs. Tu te rappelles à l'époque où on achetait le préservatif, on se cachait. On avait honte. On se cachait pour prendre le préservatif. On se cachait pour prendre ceci. On se cachait pour prendre cela. On se cachait parce qu'on ne voulait pas pouvoir qu'on sache qu'on utilise le préservatif. Mais aujourd'hui, ça s'achète au supermarché comme des bouts de pain. Tu passes à la caisse, tu poses comme ça. La caissière ne te regarde même pas. Alors qu'avant, quand tu posais ton paquet de préservatifs à la caisse, tu baissais les yeux. Tu ne regardais même pas la caissière. C'est pour vous dire le nombre d'années que ça a pris pour bien entrer dans l'esprit des êtres humains. Ça a pris beaucoup d'années, ma chérie. Donc, on doit continuer à sensibiliser. On doit continuer à sensibiliser parce que ce qui entre dans la tête de certaines personnes en un tour, dans certains esprits, ça entre en 5 tours, 6 tours, 10 tours. On ne peut pas laisser. Donc, d'après tout, on doit rester silencieux parce qu'on a tellement sensibilisé ces jeunes par rapport à la Méditerranée. On ne peut pas. Si aujourd'hui, ça a pris 200, si on continue à sensibiliser, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, ça prendra peut-être 10 ou 15. Parce que d'autres personnes auront compris que non, ce chemin-là n'est pas bon. On ne l'emprunte plus. Mais il y aura toujours ceux qui vont l'emprunter. Mais ce sera moins. D'où le but de ne pas arrêter d'en parler. De ne pas arrêter de sensibiliser. Aujourd'hui, la vente des préservatifs est devenue un très, très grand commerce dans tous les super, dans tous les pays. Alors qu'au début, on n'achetait pas. On s'en foutait. On ne comprenait pas l'importance. Mais on a commencé à voir les malades, voir les ceci, voir les cela. Tu regardes autour de toi. Tu vois que, oh, là, on a dit qu'il est bon, il a eu ceci. Quand tu vas regarder dans ton quartier, vous allez regarder, vous allez voir, l'enfant de la voisine est mort. Il est mort comment? Il est mort dans la Méditerranée. L'enfant de mon oncle est mort. Il est mort comment? Il est mort dans la Méditerranée. Ça fait son petit chemin. Ça fait son petit chemin. Et chemin faisant, ça va arriver où ça va arriver. C'est comme ça. La sensibilisation, ça prend du temps. Oui, parce que tout le monde ne comprend pas comme nous, comme, ou bien comme vous, ou bien comme certaines personnes. Il y a des gens qui refusent, qui sont réfractaires à l'information. C'est quand tu expliques au Sardina qu'il est là, il souffre, mais il supporte son bourreau, il ne comprend pas.
Il dit que, mais comment tu dis que je souffre alors que mon frère est au gouvernement? Comment tu peux dire que je souffre alors que je suis bêtis? Ça prend du temps. Aujourd'hui, il y a bien déjà des gens qui comprennent que oui, être bêtis n'est pas un privilège parce qu'on est bêtis et on souffre. Donc, on doit continuer à sensibiliser. On ne peut pas se décourager. Si tu te décourages, toi qui as la possibilité de parler à deux, trois personnes, tu te décourages. C'est une catastrophe parce qu'il y a des gens qui sont encore ignorants de ça. On sensibilise depuis, tu penses que tout le monde, tous les Africains, même dans les plus bas fonds, qui n'ont même ni eau ni lumière, sont au courant que pour traverser la Méditerranée, c'est difficile. Non, ils ne sont pas encore tous au courant. Donc, c'est ça qu'on a continué à sensibiliser pour que l'année prochaine, pour que dans un an, dans deux ans, il y ait de moins en moins d'Africains qui prennent ce chemin. Donc, on ne peut pas s'arrêter de sensibiliser. On doit continuer à en parler, même si on se répète, même si je vous suis en train de vous redire les mêmes choses que j'ai dit hier. Ce n'est pas grave. Parce que c'est une vérité dont je suis en train de parler. Ce n'est pas quelque chose que je suis en train d'inventer. Vous avez vous-même vu ces images. Regardez. Ce n'est pas une invention. Et ce ne sont pas les premières images d'Africains. Vous avez vu, quand vous regardez cette vidéo, elle est sur la toile, elle circule, elle est même sur ma page. Quand vous la regardez, il y a un moment donné, il y a... Quand vous regardez, vous voyez, à un moment donné, il y a un qui se lève, il y a un migrant qui se lève. Je ne sais pas où il se lève pour partir. Les coups de pied qu'on lui a donnés, mais c'est incroyable. Cette vidéo, si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez pas la chair de poule, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un sérieux problème. C'est vraiment un sérieux problème. Oui. Parce que ce sont des images... sont effroyables, insupportables et sont des choses qu'on doit, on ne peut pas rester insensible et faire comme si on n'a pas vu. Non, on ne peut pas. Voilà. Pardon. Donc, nous devons vraiment boycotter cette compagnie aérienne. Nous devons vraiment la boycotter avec la plus grande virulence. On doit la boycotter. Voilà. Non, ils ne sont pas tous décédés, mais celui-là, ils ne sont pas tous décédés. Ils ne sont pas tous décédés. Ils sont, ça, c'est ceux qui, heureusement, on va dire, ne sont pas décédés, mais sont vraiment en état... ils sont faibles physiquement. Ils sont faibles parce que ce sont des gens qui ont échappé à cette mort dans la traversée. Donc, ils ne sont pas... Vous avez vu comment des gars escaladaient la barrière, non? Escaladaient les fils barbelés. Donc, il y en a qui sont restés accrochés en haut. Donc, vous savez que... pour traverser comme ça, ils ont pris le bateau, ils ont alors affronté la mer et tout, et tout, et tout. Pour arriver là, ils ont encore traversé là comme ça, grimper sur ces fils barbelés et traverser. C'est la partie la plus difficile. Ah, une autre partie, un autre parcours de combattants. Parce que ces fils barbelés là, c'est horrible. La dernière qu'on avait tout montré, c'est toujours là-bas au Maroc. Les gars qui étaient accrochés, avant que les gars sont restés accrochés en haut, et ils se faisaient taper, matraquer par les forces de l'ordre marocaine. Et c'était passé cette fois-là comme ça, comme une lettre à la poste. On n'était pas, on n'était pas resté autant attardé dessus. Et c'est parce que justement, quand ils posent des actes ignobles, on parle une fois et puis on tourne le dos, on n'en parle plus, qu'ils pensent qu'ils se croient tout permis. Ça doit s'arrêter. Peu importe. Bonsoir Joseph, bonsoir Dieudonné. Peu importe. Ça doit s'arrêter. Nous ne sommes en aucun cas, par notre couleur de peau, des êtres inférieurs. En aucun cas. C'est pas parce que je passe pas ton pays pour aller ailleurs. Je répète encore à ces Marocains que ces migrants ne viennent pas pour rester au Maroc. Ils viennent pour partir. Ils ne viennent pas pour rester au Maroc. Le Maroc est un pays de transit pour eux. Ils ne viennent pas. Nous, on ne part pas chez nous pour venir rester au Maroc. Ce n'est pas un pays qui nous fait envie. Non, ça ne nous attire pas. On vient pour passer, pour partir. Si l'Espagne n'était pas frontalière à vous, on ne serait pas chez vous. On vient pour passer, pour partir. Il faut que ça s'arrête. Voilà. Donc, repartagez encore le direct parce que je vois que ça ne vous intéresse pas trop. Peut-être parce que dans vos familles, moi également dans ma famille, il y a personne qui a pris la route. Hein. Peut-être des gens que je ne connais pas, oui. Mais... ces 30 Camerounais dont j'entends parler, je n'ai pas encore de véracité sur l'information. J'entends parler de 30 Camerounais qui sont dans la liste des gens qui sont décédés. Ils sont Camerounais. Et même s'il n'y a même pas des Camerounais parmi, c'est des Africains. On ne peut pas laisser
un être humain, traiter d'autres êtres humains comme ça. On ne doit pas accepter. On doit refuser cela. Donc même s'il n'y avait pas eu des Camerounais parmi, je me serais toujours indigné. Parce que ce genre de barbarie, on ne peut pas, on ne doit pas l'accepter. On doit s'opposer farouchement à ce genre de barbarie. Alain Delon, tu es sûr que tu participes à la vidéo? Pourquoi vous appuyez dessus? Je pense que c'est une fausse manœuvre de ta part. Voilà donc. Ceux qui ont prévu aller en vacances là, ça c'est derrière la poche de vacances, ils n'ont pas encore pris leur billet parce que si on a pris leur billet, s'ils peuvent se faire rembourser, s'ils ont pris les billets via Royal Air Maroc, s'ils peuvent se faire rembourser, n'hésitez pas si vous avez pris des billets échangeables. Mais si ce n'est pas le cas, ne partez plus, ne prenez plus cette compagnie. C'est aussi simple que ça. Ne prenez plus cette compagnie. Oui, c'est de ça qu'il est question. Ne la prenez plus. Boycottons-la tous ensemble. Tous ensemble. Voilà. Je pense que mon Alain Delon a du mal à entrer dans le direct. Soit il ne sait pas comment faire. Allô, allô? Allô, allô? 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 Ben, on ne t'entend pas. Vous l'entendez, vous, là-bas, de votre côté? Pourtant, je vous entends très bien. On ne t'entend pas. Baisse le volume. Arrête le direct dans lequel tu es en train de... Je ne sais même pas comment dire. Tu me fais même perdre. J'en perds même mes mots. On ne t'entend pas du tout. Soit le volume de ton téléphone est très bas, soit, je ne sais pas, mais on ne t'entend pas. Pourtant, je vous entends bien. Vous m'entendez? Est-ce que vous entendez l'intervenant qui est en ligne, s'il vous plaît? Si vous entendez, si vous l'entendez, faites-moi signe parce que moi, je ne l'entends pas. Donc, on ne t'entend pas. Essaie de voir comment faire pour revenir dans le direct, mais on ne t'entend pas du tout. Donc, ça doit avoir, tu dois avoir un souci. Voilà. Donc, merci. Encore un tour de partage et puis on va maintenant parler de Madame Mich. Vous l'entendiez? Ah, moi, je ne l'entendais pas, Serge. Ben, Alain Delon, on dit qu'on t'entendait. Moi, je ne t'entendais pas. Donc, tu peux revenir dans le... Tu peux revenir. Moi, je ne t'entendais pas. Mais les auditeurs disent qu'ils t'entendaient. Donc, tu peux revenir, s'il te plaît. Moi, je ne t'entendais pas, mais eux, ils t'entendaient. Il y a peut-être mettre les écouteurs, si tu reviens. Mais moi, je ne t'entendais pas du tout. Mais les autres disent qu'ils t'entendaient. Donc, tu peux revenir, s'il te plaît. Donc, c'est moi qui ai un souci de mon côté. Voilà. Donc, ceux qui ont déjà acheté les billets, ou bien ceux qui n'ont pas encore acheté, ne passez plus à Royal Air Maroc. Cherchez d'autres compagnies, achetez dans les compagnies de vos pays. Royal Air Sénégal, Royal Air Côte d'Ivoire, oui. Oui, n'achetez plus. Parce que le roi marocain, le gouvernement marocain, ils disent rien. Donc, ça veut dire qu'ils sont d'accord avec ce qu'a fait leur armée, avec les actes macabres qu'ont posé ces hommes, Anthony et ces hommes. Non, non, il ne dit rien, non, ça veut dire qu'il est d'accord avec. On ne traite pas ses semblables comme ça, surtout on n'est pas venu faire la guerre avec, on est venu traverser seulement pour partir. On n'a pas dit qu'on venait rester là-bas, on vient traverser pour partir. Ce n'est pas un pays qui nous fait envie. Il faut qu'ils comprennent bien cela. Même si on, c'est parce que leur pays a eu la malchance d'être collé à l'Espagne. Mais ce n'est en aucun cas une raison pour traiter les gens comme ça. Voilà. On fait encore un tour de partage. On n'a pas encore atteint 600 partages. Hein. Donc, ce n'est pas normal. On est à 536 partages. On repartage encore et après, on va parler de Maître Ndoki, de la rencontre de Maître Ndoki avec le président élu et du pourquoi. Je vais me permettre maintenant de parler de Maître Ndoki parce que depuis que Maître Ndoki a fait son grand retour, j'ai évité de parler. J'ai évité d'en parler parce que, voilà, je continuais à regarder. Je continuais à dire que je peux peut-être m'être trompé ou alors je peux peut-être. J'avais encore un brin d'espoir. Alors, on va maintenant parler de Michel Ndoki, qui était notre Rosa Parks. Je dis bien qui était parce qu'elle ne l'est plus. Michel Ndoki fait partie de ces femmes camerounaises qui ont brillé
par leur courage. Ne dis pas ça, Dieudonné. Ne dis pas que l'ambassade du Cameroun au Maroc a félicité le roi du Maroc pour le travail. Franchement, ne dis pas ça, que tu vas me fendre le cœur. Alors, je continue dans ma lancée. Nous avons, moi, en tant que femme, j'ai eu beaucoup d'admiration pour Michel Ndoki. Et je ne suis pas la seule. Nous l'avons beaucoup admiré. Nous étions fiers de voir des femmes aussi portées, aussi courageuses, aussi porter la cause Cameroun avec autant de courage, autant de fierté, et vraiment savoir avoir un tel aura. Même, vous l'avez vu à la Cour constitutionnelle, elle était là, Michel Ndoki. Nous l'avons tous aimée. Nous en sommes tous tombés amoureuses. Tellement nous étions fiers de voir cette petite, de voir cette femme aussi courageuse, aussi engagée, aussi déterminée. Oui, parce qu'en politique, les gens nourrissent des projets, les gens nourrissent des rêves, les gens nourrissent des ambitions. C'est tout à fait normal de nourrir des ambitions. Michel Ndoki fait partie de ces personnes, telles les Paul-Éric Kingé, qui se sont dit, on doit partir aux élections. Je serai député. Tu dis quoi, Serge, que c'est vrai qu'il a adressé ses félicitations à l'État marocain? Oui, aïe, Seigneur. Ok. On n'est pas sorti du gouffre. Hein. Donc, Michel Ndoki, elle fait partie des femmes que quand je l'entendais parler, je laissais la bouche ouverte, je me disais, ah, ça, elle est courageuse. Elle est courageuse. Ah, vraiment, bravo, Michel. Ah, nous sommes derrière toi. Ah oui, ah oui, ah oui. Je soutenais Michel Ndoki par admiration, parce que c'est une femme et parce que je veux que la femme camerounaise soit aussi courageuse et que la femme camerounaise soit aussi ambitieuse et que le fait d'être femme ne soit pas un frein pour les femmes au Cameroun. Voilà l'une des multiples raisons pour lesquelles je soutenais Michel Ndoki. J'avais de l'admiration pour elle. Allô? Oui. Bonjour, la Bonjour. gloire du pape. Bonjour. Oui, je suis tombé sur ton direct là. Je ne sais pas si je peux intervenir. J'appelle depuis le Maroc. Vas-y, si tu es au Maroc, c'est encore très bien. Pour ça, tu nous donnes des nouvelles là-bas, étant fraîche, fraîche. Partagez encore le direct. Vas-y, on t'écoute. Ah, ok. Donc, moi, ce que je voulais dire, je suis tombé sur ton direct en passant. Vous savez, il y a trop de mensonges autour du nombre de morts. Parce qu'actuellement, et rien que dans notre ghetto, selon nos ressources, par exemple mes ressources, il y a plus de 100 morts. Je dis rien que dans notre ghetto. Ceux qui sont quittés Marrakech pour aller vers la barrière, nous comptons plus de 100 morts parce que j'entends souvent des gens dire qu'il y a eu 30 morts et tout, c'est faux. Il y a plus de 100 morts rien que dans notre ghetto. Et si on mélange le tout, le nombre de morts peut avoisiner les 200 morts. Donc, ce n'est pas 30 morts comme on est en train de dire. On a d'abord dit 16 morts ou bien 28 morts. Mais moi, ce que j'ai remarqué, ce que je remarque, c'est que le mépris du noir, le mépris du noir est dû à deux choses. La première chose, nous ne nous aimons pas. Ça, c'est la première des choses. Effectivement. Oui. La deuxième des choses, c'est bon ça. On n'a même pas besoin de chercher à ce que les Blancs ou les Arabes nous aiment. On n'a pas besoin de leur amour. Nous, tout ce qu'on veut, c'est le respect. Le respect est obligé, mais l'amour n'est pas obligé. Tout à fait. Oui. Parce que
une députée ici, une députée marocaine, après tout ce qui s'est passé, elle s'est levée dans une radio et elle a dit ouvertement que nous venons avec des maladies, nous venons avec la drogue, nous venons avec la saleté. Ah bon? Voilà ce qu'elle... Oui, voilà le cannabis, ce qu'elle a dit. Le plus grand pays de d'exportation du cannabis, ce n'est pas au Maroc, c'est donc, ça vient de la c'est même, c'est même légalisé, le hashish est légalisé. Mais qu'est-ce, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Je te dis, elle dit que nous entrons avec les gris-gris. Et voilà ce qu'ils disent, que les noirs, nous entrons avec les gris-gris. Nous entrons avec la saleté. Ah bon? Oui, nous avons une... C'est une députée, donc une élue. Quand une élue, déjà, on pouvait accepter encore que ce soit des petits voyous arabes qui tiennent ces gens. Oui, c'est de mais quand, oui, mais quand c'est une députée, donc elle représente, donc elle est comme ça, elle dit tout haut ce que les arabes pensent tout bas. Tout bas, effectivement. Oui, donc elle est leur porte-parole. Mais quand nous avons entendu ça, malgré ce que nous avons subi, malgré nos frères qui sont morts, décédés. D'autres même, on les a achevés après les vidéos. Hein. Voilà. Vous avez vu les vidéos là, mais d'autres sont morts, plusieurs sont morts après les vidéos. Voilà. Quelqu'un a les pieds broyés. Il dit quelqu'un a les pieds broyés avec la balle. Il est en train de hurler, mais on est en train de le menotter. Donc pour moi, c'est dû au fait que nous-mêmes, nous ne nous aimons pas. Parce que moi, par exemple, qui vous parle, partout où je pars, les Arabes me respectent parce que j'impose le respect. J'impose. On ne me marche pas dessus. Et je ne peux pas voir un frère qu'on est en train de brutaliser. Je n'interviens pas. Vous voyez? Donc, c'est cette mentalité-là que nous devrions avoir pour éviter que tout cela arrive. Tout à fait. Oui. Parce que quand vous voyez, dernièrement, ils ont arrêté certains terroristes. Certains terroristes ici au Maroc. Mais il fallait voir comment on les traitait. On les traitait bien. J'ai dit des terroristes hein, qu'on a arrêtés. Mais ils étaient, c'était certains, les Berbères. Là. Mm-hmm. Puisque eux-mêmes, les Berbères, ce sont des immigrés. L'Afrique, c'est pour les Noirs. Eux, ils sont venus. Donc, quand ils ont arrêté certains terroristes ici, mais ils étaient bien traités. Mais on se demande comment des immigrés sont traités, des terroristes sont traités plus bien que des immigrés. Ça veut dire qu'il y a un problème. C'est ouais, un problème de mépris. Il faut tenir compte de votre couleur de peau, hein. C'est très important. C'est un problème de mépris. Quand déjà des terroristes sont bien traités plus que des immigrés, ça veut dire que c'est un problème de mieux. Mais vous ne pouvez pas toucher, vous ne pouvez pas faire ça à un juif. Vous touchez un juif, c'est tout. La communauté. C'est tout oui. C'est mais ça. Pourquoi nous-mêmes, on n'essaye pas de copier au moins ce qui est bon? Parce que vous avez grandi avec des présidents qui nous ont encouragés dans l'individualisme, pas la solidarité. C'est des pays voilà. Où on vient. On nous a enseigné l'individualisme dans les maisons, dans le ventre. On nous apprend le chacun pour soi. C'est pour ça que quand vous vous retrouvez à l'extérieur, vous êtes incapable d'être solidaire les uns des autres. Oui. C'est votre plus grosse erreur. Et puis encore, je vous demande d'aller écouter le discours de la... Je ne sais pas si vous pouvez tomber sur cette vidéo où l'ambassadeur du Cameroun, ici au Maroc, son discours qu'il a tenu. Mais vous allez vomir. Mais il a tenu ce discours quand? Il a tenu un discours là, non? Quand? Je pense que c'est hier soir dans une presse. Il y a une presse ici où on a lu son discours. Mais est-ce que tu peux m'envoyer ça par sur Messenger, s'il te plaît, bien, par WhatsApp? Après, je vais filmer la première page. Oui. La une, je vous envoie. S'il te mais plaît. Ça donne envie de vomir. Tu m'envoies ça sur WhatsApp, sur le numéro que tu m'appelles là, s'il te plaît. Voilà, donc, quand vous voyez tout ce genre de choses, quand un ambassadeur comme ça sort, il dit que les Marocains ont travaillé avec expertise. Voilà. Qu'ils ont travaillé avec expertise. C'est un Tangana.
C'est soit à Tangana, soit en Vondo. Soit mais il n'y a que eux pour tenir, il n'y a que eux voilà. Pour tenir ce genre de discours. Il dit que c'est soit à Tangana, soit en Vondo, soit à Teba. C'est oui. Là un homme, soit on doit. Ce n'est que eux, parce que quand tu entres même dans nos ambassades, c'est eux. Voilà. C'est eux. Donc, il n'y a que eux pour tenir ce genre de discours. Ouais. Donc, franchement, moi, tout ce que nous avons tellement eu à sensibiliser les gens, qu'à un moment même, je me suis fatigué. On doit d'abord... Tu ne dois pas te fatiguer. Parce que, oui, comment des gens qui se détestent eux-mêmes peuvent exiger que l'autre les aime? C'est impossible. Quand on se déteste nous-mêmes, par exemple, quand tu vois au Gabon, un Français paye le séjour à 50 000 francs, un Français. Mais un Malien paye le séjour à 480 000 au Gabon. Donc un Africain paye le séjour à 480 000 pendant qu'un Français qui vient en plus vous exploiter, voler vos ressources, lui il paye le séjour à 50 000. Mais ça veut dire qu'il y a un problème. Nous avons un problème. Ce n'est même plus le complexe. Ça, c'est au-delà du complexe. Ça, c'est déjà c'est la folie. Vous voyez. Donc, pour moi, j'appelle les gens à manifester si c'est possible. Vraiment, voici une occasion pour nous vraiment de nous faire, oui, de nous faire entendre. Il faut que cela cesse. Il faut que c'est tous les jours. Ça, c'est petit, hein. C'est petit. On crache souvent sur nous, on envoie les enfants nous viser avec des cailloux. Si tu veux parler, mais on dit, et tu n'as pas le droit de parler. Mais dis-moi pendant que je te tiens, les passeurs là, j'entends toujours dire que les passeurs là, ceux qui vous aident à passer sont des Africains, c'est vrai ou faux? Oui, c'est des Africains qui sont des passeurs ici, des coxeurs. Mais la barrière que vous voyez, c'est pour ceux qui n'ont pas d'argent. Parce que ici au Maroc, si actuellement où je vous parle, si j'ai mon argent pour payer le Boza, hein, demain soir je serai en Espagne, mm-hmm. sans problème, pain poulet, il n'y aura pas de problème. Je n'aurai pas d'argent. Ça qui est combien? Je pense qu'actuellement, il demande jusqu'à 3 000 euros, hein, c'est beaucoup. C'est 3 000 euros. Tu payes ça tout de suite là. S'il y a un Boza qui va quitter dans les heures qui suivent, je dis on t'embarque. Oui, mais c'est entrée payée. On ne paye pas. C'est d'abord entrée payée. Tu conditionnes et puis on vit l'argent dans une carte. Dès que tu entres hein, avant qu'on paye. Ouais. Parce que parfois, quand tu es au milieu de l'eau, tu appelles, tu dis oui. Tu es au milieu de l'eau. Dès qu'on vit l'argent dans l'autre compte, ils font demi-tour avec toi. Ah. Tu vois. Oui, j'ai dit, on subit. Je ne peux pas même. Je suis fatigué de sensibiliser mes frères. Il y a tellement de problèmes qu'on subit ici que je ne sais même pas par quoi je peux. Par quel problème je peux commencer. Tu vois, on subit tous les jours ici. Mmh. Vous voyez. Donc, la France où vous vivez, pour moi, l'homme blanc est 10 000 fois mieux que l'arabe. On nous fait la morale, soit disant pourquoi on ne reste pas dans notre pays. Mais moi je crache sur ces gens parce que si déjà, dans un pays comme le Cameroun, même notre carte d'identité, c'est les Européens qui viennent faire ça. Même seulement notre carte d'identité, ce n'est pas nous qui les fabriquons, hein, au Cameroun. Et les pays militaires que vous voyez là, ça s'est fait en Chine. Mais quand déjà on prend tous nos économies, on amène en bain. Mais nous sommes obligés de suivre notre économie là où on est allé déposer. Tous les mains d'œuvre, même les simples tenues des hôtels, on peut faire ça en bain pour amener. C'est le prix à payer. C'est le prix. Est-ce que tu trouves aujourd'hui, avec du recul, toi qui es aujourd'hui au Maroc bloqué et qui cherches à traverser pour aller de l'autre côté, est-ce que tu trouves que ça vaut le coup? Non, pour moi, j'ai toujours dit aux gars ici que entre une mort certaine et une mort possible, c'est mieux de choisir une mort possible. La mort possible, c'est laquelle? La mort certaine, c'est laquelle, papa? Non, c'est de continuer.
c'est de continuer. Sinon, qu'est-ce qui nous a fait donc sortir du pays? Oui, pour ceux qui sont déjà arrivés là-bas, mais ceux qui sont encore au pays, est-ce que tu les conseilles de venir? Non, je les conseille de venir tenter le coup. Hein? Parce que, oui, je les conseille. Faut pas... Parce que, déjà, moi, je suis un opposant farouche au régime. Vous voyez? Même ici, là, je cours le risque. Je cours le risque tous les jours. Je suis un opposant très, très, très farouche. J'ai des amis ici qui étaient bêtis. Ils ont refusé. Ils disent qu'ils ne me parlent plus. Parce que je combats pour le bien. Mais je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites donc ici si vous aimez le régime? Ils sont là-bas étant bêtis. Voilà. Et ils sont même passés par le désert. Quelqu'un vous fait passer par le désert. Ils sont les frères de Pézi. Oui. Donc, pour moi, je leur conseille de quitter. Que de souffrir dans ton pays, c'est mieux que tu souffres dans un autre pays. Tu vois? Au lieu d'être esclave dans ton propre pays, non. Peut-être tu es esclave dans le pays des autres. Donc, pour moi, je leur dis de quitter. Surtout pour quelqu'un qui a un métier, il peut très bien s'en sortir ici au Maroc. Je leur dis toujours que apprenez, vous qui avez fait les 3 ans, les 4 ans ici, il y a un proverbe de chez nous qui dit, peu importe le nombre d'années que tu as fait en empruntant le mauvais chemin, il est toujours temps de faire demi-tour. Donc même si pendant 7 ans, tu as emporté un faux chemin, non, c'est toujours important de faire le demi-tour. Moi, je leur dis que apprenez quelque chose. Moi qui vous parle, je n'ai plus trop envie d'aller en Bénin parce que je m'en sors. J'ai un métier. Et la monnaie ici est élevée. Je résous des problèmes au pays. Oui, mais combien ont cette chance d'avoir aussi un métier comme toi? C'est donc ça que je leur dis, vous qui avez fait les 7 ans ici sans métier, il est temps que vous gaspillez seulement 1 an. Vous apprenez ne serait-ce que la plomberie. Mais ils vont apprendre comment s'ils n'ont pas la possibilité. Quand tu parles, on dirait que c'est tellement facile que n'importe qui. Non, mais je suis sur le terrain. Vous appelez quoi possibilité? L'homme arabe ici, il y a des Arabes ici qui sont prêts à vous donner un logement et vous travaillez pour eux. Vous voyez, ils sont là pleins. Moi, j'ai un petit qui est venu, c'est ici qu'il a pris la plomberie dont je vous parle. Vous voyez. Donc, le problème, c'est quoi? Ceux que vous avez vus là, c'est ceux qui voulaient tabasser par la barrière. Et comme ils n'ont pas d'argent, ils sont obligés de passer par la barrière parce qu'on n'a pas besoin de pays. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si, je comprends. Oui, donc parmi eux là, tous, c'était des gens qui dormaient à la belle étoile. Vous voyez, tu vas voir des noirs ici, chacun a un balai à l'épaule. Il fait les tours de quartier. Il crie balayage, balayage. On l'appelle, il vient, il balaye. C'est ce qu'on fait ici. Ou bien on tape la salam. C'est tout ce qu'on fait ici. La salam, c'est... Balayer quoi, la maison? Oui, oui, oui. C'est ce que les Camerounais font ici. Vous allez voir, tous ceux que tu as vus, ils sont venus passer par la barrière. Là. C'est des gens qui ont un balai, ils font des tours. Et quand un arabe les appelle, il dit, venez nous balayer notre caca si qu'on a chié. Il vient, il balaye. Et on sort quelques dirhams, on les donne. Donc c'est tout ce qu'on fait ici. En attendant maintenant qu'on organise un jour où on sera peut-être 1000 ou 2000, on part pour casser la barrière. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, le quotidien ici, c'est l'enfer. Vous voyez, je ne parle pas pour moi, je parle pour les Camerounais. Parce que moi, je m'en sors. Mais les Camerounais vivent l'enfer ici-là. Ils vivent l'enfer. Franchement, si on n'y met pas fin à ça, franchement, parce que l'Afrique, c'est pour nous. Déjà, même en Afrique, l'homme noir ne doit plus respirer. Paix. En Europe, c'est le problème. Partout, c'est le même. En Afrique, notre continent, même donc, chez nous, on ne peut pas. Donc, les gens sont quittés au Cameroun. Comme ça, la traversée. Pas tous ces esprits pour aller balayer la maison au Maroc, mon frère. Mais t'as balayé au Cameroun. Je te dis. Non, mais t'as balayé au Cameroun.
Non, faut pas, faut, non, il ne faut non, pas non, juger. Non, non. Ils le font en attendant le jour. Parce que ce que tu as vu hier, ce n'est pas un truc qu'on fait du jour au lendemain pour programmer la barrière, pour tabasser par la barrière. C'est un programme qu'on fait. On fait au moins 1000 personnes. Dans les 1000 personnes, c'est que peu importe le cas, 200 vont entrer et 800 seront arrêtés. Et vous ne comptez pas les morts? Il y a les morts. Il y a des morts. On est... Tu dis quoi? Quand tu dis que c'est un programme qui est fait à l'avance pour affronter la barrière et que vous savez que sur 1000 personnes, sur 1000, 200 vont entrer. Oui. Et ceux qui meurent et ceux qu'on arrête. Non, quand le bandit part pour voler, il sait ce qu'il attend. Hein? Mais dans notre intention, c'est qu'on passe pour traverser. Donc, si on met la peur, si on met la peur devant, on ne peut rien faire. Tu vois, on ne pense même plus à ça. Tu comprends? On ne pense plus au fait que. Le risque est très grand. Pour moi, ça ne vaut pas le coup. Hein? Pour moi, ça ne vaut pas le coup. Bon, et qu'est-ce qu'on nous réserve donc en restant au pays? En restant au pays, qu'est-ce qu'on nous réserve? Moi, j'ai dit, n'est-ce pas, que ceux qui sont derrière là-bas. Imagine qu'avec tous ces risques-là, avec tous ces risques, il y a des gens qui refusent de rentrer. C'est ça que je ne comprends pas. Tous ces risques que tu vois, les gens préfèrent parler et tout, mais ils refusent de rentrer au pays. Donc, imagine, d'après toi, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Avec tout le risque qu'on court ici, mais on refuse de rentrer au pays. Donc, c'est un peu ça. Moi, tout ce que je voulais dire, c'est que s'il y a un moyen d'organiser, même entre vous, là-bas, de faire, parce que nous avons tous mal de ce qui se passe, d'être notre porte-parole là-bas. Et la manifestation, franchement, vous avez notre bénédiction. Parce que c'est quelque chose que nous encourageons, c'est quelque chose que nous tous nous félicitons. Okay. Donc, ouais. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Beaucoup de courage. Vraiment, merci. Ok. Donc, pour les morts, ce n'est pas 38 comme j'ai... Mais je demande, les Camerounais qui meurent là, vous prévenez la famille, vous informez la famille. Oui, il y a des réunions ici. On prend souvent les fonds de caisse, on rapatrie le corps et d'autres sont enterrés. D'autres sont abandonnés ici. Il y a des corps qui ont fait les 3 ans ici à la morgue. Hein? Oui, on va faire comme. Il y a des corps qui ont fait les 3 ans ici à la morgue. Ok, bon, merci beaucoup, combattant. Merci, mon grand. Ok, merci. Mon frère, s'il te plaît, avant que tu ne partes, tu es au Maroc depuis combien d'années? Juste une simple question. Pourquoi tu le cherches? Bonsoir. Pourquoi tu cherches depuis combien d'années il est au Maroc? Ah, ok, pardon. C'est juste parce que je voulais qu'il soit un peu plus clair. Parce que ce n'est pas forcément parce que tu vis au Maroc que tu connais tout ce qui se passe au Maroc. Ça, c'est sûr, je suis d'accord. Mais là, on ne le voit pas bien. On le voit pas, en fait. Je ne sais pas si c'est fait exprès. Mais moi, je ne vous vois pas bien. Je ne sais pas si c'est fait exprès. Oui, c'est pas exprès. Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci alors. Je suis désolé. J'espère que ça vous dérange. Non, pas. Du tout. Voilà. Donc, comme je disais là, c'était pas par rapport à... Parce que je voulais l'identifier ou quoi que ce soit. Oui. Mais je sais quand même que quand moi, j'ai fait le Maroc, moi, je connais les gars qui passaient... Donc, ça dit que quand ils sont arrivés au Maroc, on les a dit, pour entrer en Europe, il faut aller soit à Tanger, soit en Ador. Partagez le direct, s'il vous plaît. Mettez les étoiles. Oui, ils sont partis. Ils sont partis dans l'une de ces deux villes-là. Et on les a conduits tout droit en forêt. Donc, ça veut dire qu'il est arrivé, il ne connaissait même pas le pays. Même Nador, il ne connaissait même pas Nador ou Tanger. Donc, ça veut dire que quand il est arrivé soit à Tanger, soit en Ador, on l'a conduit directement en forêt. Donc, lorsqu'il arrive en forêt, il se retrouve peut-être qu'il y a une frappe qui est prête. Donc, du coup, on l'inclut dans la frappe. Donc, quand il va arriver là-bas, on lui donne une cassora là-bas, parce que ça s'appelle cassora. Donc, on lui donne une bastonnade qu'il n'a jamais vu, même comment on donne ça à quelqu'un. Et après, admettons, je prends le cas peut-être de celui
qui y est encore. Donc, ça veut dire que ce jour-là, il a échoué la frappe. Peut-être les autres sont passés, les autres sont morts, mais lui, il a survécu. Oui. Alors, bon, parmi ceux qui ont survécu, qui n'ont pas pu traverser et qui ne sont pas morts, mais qui ont été appréhendés et massacrés, on les porte. On peut te jeter à Gaza, on peut te jeter à Rabat, on peut te jeter à Tunis, on peut te jeter à Gadi, on peut te jeter même à La Une, N'importe où, oui. on peut te jeter même à Fès, on peut te jeter à Mekné, on peut te jeter partout. Donc, du coup, celui qui parle là, j'imagine qu'il doit certainement être à Gaza. C'est rien contre lui, hein, mais c'est juste que c'est un débat. Donc, c'est un débat d'idées et chacun apporte sa contribution. C'est ça, non? Oui, mais en fait, ta contribution par rapport à lui, c'est pour dire quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il ment ou alors ce qu'il a dit? Je sais pas, je comprends pas trop. Non, je suis pas en train de dire qu'il ment parce que moi, je suis pas au Maroc avec lui. Oui, mais tu veux donc dire quoi? Voilà. Mais j'essaie de dire que il ne faut pas qu'il ait la. Je ne suis pas très sûr qu'il dit la vérité À dans quel tout ce qu'il propos, dit à là. quel C'est-à-dire que niveau? là-haut, quand il parle de que non, les Noirs, ils se baladent pour balayer, pour avoir de quoi manger, qu'ils disent encore que les Noirs, ils demandent l'argent. Les Camerounais surtout. Les Camerounais surtout. Dis encore qu'ils demandent l'argent, mais pas balayer les caca pour manger. Ça, c'est faux. Voilà. Et en plus, tu peux être. Et en plus, le Maroc, c'est comme la prison. Voilà. Donc, ça veut dire que tu peux être à Casa, tu sais ce qui se passe à Tanger, mais c'est des choses que tu ne vis pas. C'est des choses que la personne qui vient te raconte ce qu'il veut que tu entends. Voilà. Donc, moi, d'où il est là, je ne suis même pas sûr qu'il vit soit à Nador, soit à Mais toi, tu n'es Tanger. Et pas ce sont là-bas, tu les dis que tu deux n'es même scènes de pas sûr. Est-ce que théâtre. tu es là-bas? Parce que c'est les deux villes où tu ne peux pas vivre là-bas en tant qu'un noir, même si tu travailles. Tu ne peux pas vivre à l'aise là-bas. Ah, d'accord. Parce que, regarde ce que je vais te dire. Quand tu entends Nador, je ne sais même pas comment je peux te prendre l'exemple dans une ville au Cameroun. Bon, c'est la même chose comme à Douala, les zones retirées où on fait les champs là. C'est là-bas Oui. qu'il y a la frontière. Mais les gens, ils vivent ici là, dans les Ndokoti, machin et tout là. C'est là où il y a les gens. Donc, quand tu arrives peut-être qu'en Ndokoti, on te prend maintenant, on t'amène vers fin de Douala, là-bas, là, il y a la brousse, là-bas, il y a la frontière. C'est Ouais, là-bas qu'on choque, mec. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sont ici en Ndokoti, le jour que vous qui êtes là-bas, en forêt, vous tapez Mbeng dedans. Quand vous tapez Mbeng dedans, là, la police va venir rafler tous les Noirs qui sont en Ndokoti. On va aller les jeter même à Bafoussam. On va aller les jeter même au nord. On va aller les jeter même à Bafia. On va les jeter même à Yaoundé, donc c'est comme ça. Voilà. Donc, automatiquement, toi qui travailles soit à Nador, soit à Tanger, tu ne peux pas être à l'aise. Parce que même pour rien, la police va venir, va t'arriver, va dire que non, tu n'es pas là pour travailler, tu es là pour chercher l'argent pour aller préparer la frappe en forêt. Voilà. Donc, voilà pourquoi est-ce que je dis, c'est qu'il dit, je ne suis pas avec lui pour dire que c'est faux. Mais il faut que tu saches. Tu ne peux pas être à Casa, tu sais ce qui se passe à Nador. Oui, on t'explique, mais tu ne vis pas. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà tout ce que moi je tout ce que moi je pouvais ajouter. Moi, je me rappelle une fois. Comment je te donne la Je chambre? me rappelle. Je me rappelle une fois, un grand frère, il m'a rencontré à Agadi. Il me dit que mon petit, moi, on m'a jeté hier. Il dit que grand-moi, ça fait peut-être 3 semaines, on m'a jeté. Il me dit, OK, la frappe est imminente en forêt. Moi, je rentre en forêt. Il dit que mon frère, moi, je sais que c'est aussi miné. Il me dit que non, mieux choquer Mbeng là-bas que de rester ici à métropole. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillé, il n'a plus vu le grand là. 2 jours après, j'ai entendu qu'ils ont frappé. Et normalement, quand vous frappez, ça attire tous ceux qui sont en métropole pour venir aussi organiser leur frappe parce que ça leur donne la rage. Donc, du coup, je suis descendu à Tanger. Quand je suis descendu à Tanger, dès que j'ai posé mes pieds à Tanger, je regarde comme ça et ne reconnais même pas Boukalev parce qu'il n'y avait même pas un noir. Après, je vois un camion de police qui passe. La façon qu'ils m'ont regardé, j'ai senti que les gens n'avaient pas moyen de fuir. C'est ce que mon a saigné. Comme je veux faire 2 pas, ils m'ont crié une fois. Ils m'ont arrêté, ils m'ont renvoyé loin à Tisnit.
À Tizni que tu entends là, c'est comme si tu quittais Yaoundé pour aller à Bétoua. C'est plus de 500 kilomètres. Wow. Et quand on te jette à la une, c'est comme si tu quittais Yaoundé ou Sanmélima pour aller au nord. C'est tellement compliqué là-bas et vous êtes et je comprends que et je comprends pas comment les gens continuent à rester là-bas malgré toutes ces péripéties, malgré toutes ces difficultés, quoi. Je suis un peu. C'est bon à la porte là. Je suis un peu Non, choquée. le problème, c'est que quand tu arrives là-bas, tu ne peux plus rentrer. Tu ne peux plus. Il y a beau. Donc, ça dit que tu ne peux plus rentrer pour plusieurs raisons. Tes chances d'abord, même si tu voulais rentrer, tes chances de rentrer d'abord sont très, très minimes. Comment ça? Mais la plupart, 9 sur 10, en général on dit 6 sur 10, mais 9 sur 10 des Camerounais qui arrivent au Maroc à pied n'ont pas de passeport. Ouais, c'est vrai. Donc quand tu C'est le arrives plus à problème. l'ambassade, quand tu arrives à l'ambassade du Cameroun au Maroc, tu dis que tu veux faire un passeport. On te demande ton acte de naissance. Tu donnes ton acte de naissance. On te dit qu'il faut venir avec telle somme d'argent. Quand tu viens avec la somme d'argent, on te lave ça parce que la personne qui te reçoit d'abord, c'est un Congolais. C'est un quoi? C'est un Congolais. Hein? Hey, peut-être ça a changé. Hein? Parce que moi, j'ai tchakala là-bas le jour-là que mais vous êtes bête ou quoi? Comment un Congolais peut me recevoir à l'ambassade du Cameroun? Massa. C'est un Camerounais qui vient. Il me dit que non, mon petit, il est ça. Pourquoi tu le ménages? On se connaît. Ma chérie aussi m'apporter les gros œufs. Il dit que, mais attends, m'apporte pas les gros œufs, mon frère. Comment un Congolais peut me recevoir? Et la patronne de l'ambassade, là, c'est une blanche. C'est une maghrébine. Parce que l'ambassadeur lui-même, d'abord, il ne restait même pas là-bas. C'est pour ça que tu vois toutes les tentatives à l'ambassade du Maroc, là, rien n'aboutit jamais parce qu'il n'y a pas d'ambassadeur là-bas. Oui, apparemment, il gère deux ou trois ambassades, non? D'après ce que j'ai entendu. J'ai entendu un truc comme ça qu'il ne gère pas seulement l'ambassade du Maroc. Il gère deux Voilà. ou trois ambassades. Donc, il va pas rester au Maroc, il va gérer là, dans un pays africain. Il va rester. Voilà. Oui, Dans un non, pays parce qu'il n'est européen, qu'au pardon. Maroc. Parce qu'il sait qu'au Maroc. Parce que le Marocain, lui, il ne gère pas que tu as la veste, tu as la voiture. C'est même quand il te voit même dans un confort pareil, même que ça l'énerve encore plus. Donc, il ne gère pas ça. Donc, facilement, non, il peut perdre même sa vie comme un jeu. Il ne peut pas rester là-bas. C'est ça. Donc, maintenant, donc les chances pour rentrer sont trop Oui, minimes. ben si tu n'as pas Trop. de pièce d'identité, tu n'as pas de passeport, tu vas rentrer comment? Donc pourquoi on comprend que beaucoup de Camerounais restent bloqués là-bas parce que se faire une carte d'identité n'est pas facile et se faire un passeport, mission impossible. Donc ils sont bloqués. C'est Et tu ne incroyable. peux et tu ne et tu ne peux pas et tu ne peux pas tu ne peux pas rentrer à pied comme tu es venu. Oui, il faut de l'argent. Quand tu prends la route là, tu pars à pied, tu rentres par vol. Bon, maintenant, je vais ajouter quelque chose parce que là, il y a des spectateurs et je m'imagine que la majeure partie des spectateurs qui sont là sont les Camerounais. Je vais ajouter quelque chose qui est très, très intéressant, que moi je connais, que j'ai vécu même. La porte de la Roanne. Mais de la cuisine. Donc, c'est-à-dire, quand vous organisez une frappe, moi je me rappelle, on a fait combien de frappes là-bas? Moi j'ai fait 4 frappes. Dans les 4 frappes, la première frappe, un militaire marocain m'avait juste frappé la matraque sur le ventre, mon abdo. J'ai un abdo qui s'est contracté direct. C'est là où j'ai eu trop de douleur. Mais sinon, c'était pas très grave, contrairement au choc que les autres avaient eu. La deuxième fois, je me rappelle pas trop comment ça s'est passé, mais je sais que la troisième frappe, c'est là-bas où j'ai failli perdre la vie. Il y a ceux qui ont perdu les yeux, ceux qu'on a tiré sur eux. C'est-à-dire que quand ils tirent,
Si, quand tu vois l'autre tomber là, tu comprends que c'est lui que ça a pris parce que ça t'aurait pris toi. Et quand il tombe là, il peut me mettre encore vivant, mais le problème c'est que c'est 250 personnes qui courent sur un goudron qui fait 4 mètres, qui fait 5 mètres de largeur. C'est 250 personnes regroupées qui courent sur un goudron qui fait 5 à 6 mètres de largeur. Et c'est les ravins. Donc, automatiquement, quand tu tombes, qui va te soulever? Qui va t'arrêter? Quand tu tombes, il y a les gens que tu fais tomber. Il y a les gens que pour éviter de tomber, ils marchent sur toi. Moi, je connais, moi, j'avais vu, il y a un petit où il y a une rigole, les rigoles qui sont un peu comme les V, là. Les rigoles qui sont un peu comme les V, là. Il est tombé, le petit est tombé sur celle-là, comment ça fait tomber les. Mais quand moi, j'ai vu ça, puisque c'était une descente, quand j'ai vu ça, dès que j'ai vu, j'ai tapé un saut, je les ai traversés, eux tous, je suis allé atterrir sur le goudron. Mais par contre, que le petit que les gens marchaient sur lui-là, lui, il avait laissé sa vie sur place. Donc, ça veut dire que même tes fouets noirs, même, ils te tuent même. Mais bien sûr, tu tombes, on marche sur toi. C'est Mbenke, voilà la lumière de Mbenke, les gens voient là-bas, c'est pas le jeu. Donc, ce que je voulais raconter, c'est quoi? Ce que je voulais raconter, c'est que quand la frappe, les Maghrébins là, parce que c'est les Espagnols qui signalent aux Marocains que on a une multitude de battements de cœur que notre laser a repéré. Donc, préparez-vous, il y a une frappe qui arrive. Et il y a les camps militaires qu'ils ont déjà mis partout, partout. Dans les camps militaires, rapidement, il y a le renfort et tout, la police, gendarmerie, armée, sécurité, tout, ils sont Mais là. Même les gens du pourquoi quartier. est-il à balles réelles? Ils ne peuvent pas juste vous taper avec la matraque. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de tirer sur les gens? C'est ça qui est donc très, très intéressant maintenant, alors. C'est ça qui est très, très intéressant. Ça, c'est une très bonne question. Quand on lance une attaque, leur objectif, c'est qu'il y ait des morts. Hein? Oui. Voilà pourquoi je disais tantôt tout à l'heure que ce que le monsieur de tout à l'heure a raconté, je ne suis pas en train de dire qu'il a menti ou quoi que ce soit, mais je veux juste ajuster. Voilà, parce que lui, il a dit tout à l'heure qu'il y a les morts qui font 3 mois, trois machins À au la à morgue. la mort. Quand il a dit ça, moi, j'ai directement compris que lui, il n'est pas dans une ville qui est en frontière. Lui, il doit être en métropole, c'est-à-dire il doit être soit à Rabat ou à Casa. Je suis sûr qu'il est à Casa. Je suis sûr. S'il écoute même le direct de la mort, je suis sûr qu'il est à Casa. Parce que c'est à Casa qu'il y a beaucoup de noirs marocains. C'est à Casa que tu peux même coucher avec une fille arabe. C'est à Casa que tu vas trouver une fille arabe, elle est totalement noire comme toi, mais elle te Oui, dit qu'elle est arabe. oui, Toi-même, tu suppliques, mais toi, tu es arabe, toi, tu es noire, elle te dit que oui, elle est arabe. Tu dis que, mais attends, moi, je sais que les arabes sont les blancs. Ici, il y a des Arabes, il y a des Donc, Marocains, surtout les Marocains noirs, il y en a. voilà, qui se disent arabes parce qu'ils ne connaissent pas leur histoire. Tout à fait. Donc, du coup, leur objectif, c'est qu'il y ait des morts. C'est ça leur objectif. Parce que les morts que tu vois là, jamais, celui qui, s'il y a quelqu'un ici là qui est passé par là, qui connaît, qui essaye un peu de répondre un peu, il n'y a jamais eu une frappe au Maroc depuis l'histoire des frappes massives. Il n'y a jamais eu une frappe au Maroc où quelqu'un est mort. Et vous avez vu son corps. Jamais. Mais on dit que les gens renvoient le corps au Cameroun, non? Comment tu dis qu'on ne voit pas le corps? Le corps part où alors? Je suis en train de dire que Hein? lui, il a dit tout à l'heure que, écoute bien, parce que tu comprends bien ce qu'il dit. Il a dit, peut-être tu as du mal en fait, tu comprends quand même ce qu'il dit. Peut-être tu as du mal à mieux comprendre, pas, tu voudrais que j'explique un peu plus mieux, mais c'est pas grave, je vais expliquer. J'ai dit, le monsieur qui est passé tout à l'heure, il a dit que au Maroc, il y a les gens qui meurent, on rapatrie le corps au Cameroun. Il y a les gens qui meurent, on garde le corps pendant plus de 3 ans, ou c'est 3 mois, 3 ans, quelque chose comme ça. Oui. C'est la raison pour laquelle je vous ai donc dit que lorsqu'il a dit ça, lorsqu'il a dit ça veut dire, moi j'ai directement compris que lui là, il ne vit pas dans une ville Oui, frontalière, il vit il à vit en Gaza, oui. métropole. Mais maintenant, tu dis que là où vous êtes, toi tu étais, c'était un peu plus loin.
Et que les gens qui mouraient, on ne voyait pas les corps partaient où alors? Bon, maintenant, c'est ça que je suis en train de dire, que il n'y a aucune frappe. S'il y a un bousailleur ici, là, il vient parler. Il n'y a aucune frappe au Maroc où la frappe a échoué, ou même si vous avez, même s'il y a eu les bousas, mais que les morts, parce qu'à chaque frappe, il y a toujours les morts. Mais la seule frappe où il n'y a pas eu les morts, l'une des seules frappes où il n'y a pas eu les morts, c'est la frappe où moi je suis passé. Où je suis passé, où j'ai réussi à entrer. Mais il y a les frappes où. Mais les frappes précédentes, il y a eu les morts. Bon, en tout cas, je disais ceci. Il n'y a aucune frappe. S'il y a quelqu'un qui a posé ici, là, s'il veut, il ne vient pas. Il n'y a aucune frappe où, au Maroc où il y a eu des morts et quelqu'un qui a peut-être échoué la frappe, qu'on l'a arrêté. Il a vu le corps. Tu ne peux pas. Tu peux pas voir le corps. Ah bon? Mais tu ne vois pas et tu ne verras jamais, tu ne sauras jamais où c'est parti. Mais nous, on connaît où c'est parti. Ça part où mon père, dis-nous. Non, ça, c'est les réseaux sociaux. Moi, je veux pas mettre les gens à dos. Tu mets les gens à dos, est-ce que tu es encore au Maroc? Il faut dire des choses, il faut dénoncer. On est là pour dénoncer, sensibiliser. Non, c'est. C'est pas que ça part haut, ou bien qu'ils envoient haut. Quand je suis en train de dire que lorsque on fait une frappe là, tous ceux qui meurent, personne ne voit leur corps. C'est tout, c'est vous, c'est à vous de réfléchir maintenant. Ou alors si vous avez d'autres personnes qui peuvent vous appuyer pour des informations, moi j'aurais donné ma contribution comme le monsieur de tout à l'heure. Donc, en gros, grosso modo, si je comprends bien, si je vais faire mon propre résumé, ça veut dire que quand il y a des frappes là et qu'il y a des gens qui cassent la pipe, qui cassent leur pipe, on récupère seulement ça et puis on va, ils vont vendre, ils vont vendre, ils vont vendre les ouais là après, c'est ça? Mais Igo Nyang, non, tu penses qu'il va encore tout quoi? Il Nyang, ça là en pagna directement, ça go Voilà. en pagna. Voilà. C'est ça? Donc, ça go, dès que quelqu'un baigne là, ça go en pagna direct. Voilà. Comment ça se passe même? Dès que tu baignes, il chope il te chope une fois, il te noie dans une voiture. Voilà. Donc, même si c'est le Nkassamé, même si c'est un d'entre eux qui baigne, parce que parfois nous sommes les massacres, même si c'est un d'entre eux qui baigne. Vous n'allez pas voir son corps, on le cache une fois. Donc C'est comme ça qu'ils vont. c'est vraiment quelque chose qui est bien organisé. Donc c'est Ben, vraiment. c'est un week qui est très bien organisé. Comment? Parfois, eux-mêmes, ils ouvrent la frontière et laissent les gens passer. Et à travers cela, ils se font beaucoup d'argent parce que quand les gens on récupère, ils récupèrent, ils font encore autre chose avec. Donc, franchement, c'est très dur. Moi, Le si je... Maroc. Le Maroc, c'est le pays le plus riche du Maghreb. Enlevons la Libye. Mettons la Libye de côté. Le Maroc, c'est le pays le plus riche du Maghreb. Purée. Au Maroc, au Maroc, si quelqu'un connaît au Maroc, surtout Tanger, par exemple, une ville que moi j'ai beaucoup fréquentée, il n'y a pas de vieilles voitures à Tanger. Hein? Les vieilles voitures là-bas, au contraire, font le taxi. Les vieilles voitures à Tanger font le taxi. Quelqu'un qui connaît va te dire, les vieilles Encore voitures plus à de Tanger partage, font s'il le vous taxi. plaît. Et mettez les étoiles. Partagez encore le direct, s'il vous plaît. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Partagez encore. Ils veulent s'informer, ils veulent pas partager. C'est ça? Donc, c'est comme tu entends là. Oui. Voilà. On a tous entendu. Moi, je connais une Russie qui, elle était sick, elle est go à l'hosto. Arrivé là-bas, ils ont dit qu'ils vont l'opérer. Donc, la Russie là, finalement, elle avait perdu même sa vie. Donc, la Russie là, quand elle marchait, elle disait qu'elle ressent comme si on a mouffé quelque chose sur elle. Voilà. Comme au Cameroun, non, au Cameroun, on bouffe les choses dans les corps des gens. C'est comme ça. Donc, c'est un film que moi j'ai dit que non, parce que nous, quand on est. Parce que lui là, qui vit à Casa là, il a pris un travail. Nous, on les appelle les slackman. Ça dit que c'est ceux qu'on slack. Ça dit qu'il a dit que non, la carte de Casso là, que them don't give me for that, no fit on back for the pay, better stay for ya for metropole. A dit qu'à ma dos, if I get do, I go buy me my vol for gombe one time, ou bien I go buy ma tranquille. C'est comme ça.
Maintenant, il va se placer. Mais maintenant, alors, le problème, alors, c'est que le Maroc, maintenant, c'est comme l'Ouangata. Le Maroc, c'est comme l'Ouangata. Le Maroc, l'information, ça tourne. Voilà, on a à Tanger, on connaît ce qui se passe à Casa. Casa connaît ce qui se passe à Tanger. Donc, c'est comme ça. Voilà, donc voilà pourquoi est-ce que lui, il peut te parler les oui comme s'il vit ça. Mais attention, la frontière et la métropole, c'est trop, trop différent quand même. Donc, c'est un peu ça. Quand tu me baignes là-bas, c'est... Comment il y a les gars qui ont baigné, non? Les gars, on a fait une frappe, on a fait une frappe un jour, plus de 250. Congo refoulement. Congo refoulement. On n'était même pas, on n'atteignait même pas 220. La frappe avait échoué. Personne n'avait besoin. La frappe avait échoué. On n'atteignait même pas 220. Congo refoulement. Les gars avaient de ces séquelles sur eux. Que quand tu vois quand tu vois un séquelle sur quelqu'un, ta main, tu comprends que si tu n'es, tu comprends que celui qui t'a même fait ça, si tu lui rendais le, si tu, c'est à lui que tu fais le même choc, il perdait la vie sur Tout à place. fait. C'est là où tu comprends que le black est enfer. Donc tu comprends maintenant que le choc que tu vois sur ton combi qui est devant toi, bien le choc que tu as sur toi là, toi-même tu dis que yes. Donc ça veut dire que comme nous on se connaît parfois là, on se connaît au cours que parfois il y a les fragiles parmi nous. Donc, si, donc si un fragile a reçu un choc comme ça veut dire qu'il doit certainement être un bain, Tout comme à ceux fait. qu'on a en train de regarder depuis là, on ne les voit Ouais, pas. ouais. Peut-être qu'il est un bain. C'est comme ça. Comment? J'ai mes deux combis qu'on courait ensemble dans la frappe là, mais eux, on avait tiré sur eux. Moi, je ne sais pas comment. Moi-même, j'aime pas même que c'est eux que les balles ont pris. On avait tiré sur eux. Il faut que demander que, mais quand c'est comme ça, vous envoyez quand même les nouvelles aux familles, au pays, parce que vraiment, il y a des gens qui sont là-bas au pays qui disent que mon frère est en Europe, ma soeur est en Europe, ma soeur est ceci, ma soeur est là-bas. Depuis que ma soeur est partie, ça fait 10 ans, elle ne pense même pas à nous, alors que la personne a un bain depuis. Pardon, vous envoyez les nouvelles au pays quand même pour informer les gens. Remet on office fait news for pays parce que you say ça non non waka. Alléluia. Imagine toi par exemple on a donc go make some frappe, vous êtes peut-être 400. On a donc go make some frappe, vous êtes peut-être 400. Dans les 400 qu'on a des sous, il y a peut-être que peut-être même 200 ou 190 qui sont entrés. Dans les 200 ou 190 qui sont entrés, vous êtes censé être entre 200 et 210. Mais maintenant, quand tu comptes tout le monde qui est là, quand tu comptes tout le monde qui est là, vous n'atteignez pas 160. Imagine-toi, admettons que vous êtes 160. Les 40 ou les 60 sont partis où? Oui, mais Hein, les 40 ou les 50 sont partis où? Maintenant, tu ne sais pas maintenant alors les 40 ou les 50 sont où? Ils sont en train de chanter de l'autre côté parce que ceux qui ont besoin sont en train de chanter. Nous, on est sur les voies. Et s'ils nous voient, mais ils ont à travers les deux barrières de 7 mètres avec les barbelés qui ont la distance entre toi et le barbelé, entre toi et la barrière, le barbelé à 2 mètres de largeur. on dit. Donc, ça veut dire qu'il y a 2 mètres entre toi et la barrière. Les 2 mètres là sont occupés par le barbelé. Et le barbelé, là, ça, si tu fais le doigt comme ça sur ça, ça peut te faire tomber le doigt. Mon Dieu. Mon Dieu. Voilà. Donc, ça veut dire que maintenant, toi, maintenant, qu'est-ce que tu dis maintenant que, bon, ton combi, maintenant que tu étais avec lui, peut-être que vous avez bicoco, peut-être tu le noues. Oui. Maintenant, tu es en train de se lancer, maintenant que, bon, il a fait comment? Il est où? Tu le cherches. C'est On te dit ça. qu'il y a déjà 2 cas. On te dit qu'il y a 3 cas de refoulement qui sont déjà partis. Tu ne sais pas s'il est là-dedans. C'est ça. Tu ne sais pas Ouais. s'il en veut, tu ne sais pas s'il est parmi ceux qui sont en train de Il chanter. est. Donc, toi, tu vois avec ça, ces gens comment? C'est ça, c'est ça. C'est vraiment. Moi, je suis arrivé, moi, j'ai choqué toute ma vie au Maroc. Je n'ai pas rencontré quelqu'un qui me connaissait comme ça, là, que il connaît mon père, ma mère. Mon Dieu. Quand moi, j'ai choqué au Maroc, j'ai dit, quand j'ai choqué au Maroc, je n'ai le seul petit que j'ai rencontré un jour qui connaissait ma famille, je l'ai vu un seul soir. Le lendemain, il ne l'a plus jamais vu. C'est. Ça, ce sont des témoignages qui sont assez dur à encaisser parce que moi, c'est d'abord une aventure que je déconseille beaucoup aux gens. Et je me dis que si on reste sans nouvelles des gens comme ça, on ne sait pas quand vous partez affronter le Wela, si ils réussissent à Djoum de l'autre côté, sinon pas réussi. Donc, en fait, les gens,
ça veut dire que les gens restent comme ça dans l'incertitude au pays. Ça veut dire que les gens. Oui. Ah, oh putain, c'est un peu. Oui. Dans tous les pays en Afrique, il y a des centaines de. Il y a des centaines de. Il y a des. Moi-même, je me rappelle une fois, j'avais une fois au Maroc, j'appelais une personne dans la MIF. Il est tout dit que non, avec, c'est chaud. Il faut que tu me. C'est un homme quelque chose, veut me battre avec. La personne m'a carrément jeté. Mais je me rappelle quelques années plus tard, je causais avec un cousin là, il me dit que oh, j'ai rencontré tel l'autre jour. Il a assez même de tes nouvelles. Il dit que non, il ne sait pas si tu es Adaï. Hein? Mais oui, non. Mais C'est. oui, les gars restent. Comment? Les gars restent. Mais toi. Nous, on est assis comme ça. On est assis comme ça un jour. On est assis comme ça un jour. On voit un petit Sénégalais qui vient en courant, comme ils aiment trop croire qu'ils sont musulmans, les Arabes sont leurs frères. Ils savent pas que le blanc et le noir, mon frère, on n'est pas Pas qu'à la ensemble. frontière, avec la couleur de Regarde, la peau. il est arrivé en courant comme ça, là, il est arrivé en courant. Non, parce qu'ils ont tout le même bas qu'ils sont musulmans, comme les Nkassa, non. Il arrive en courant, il arrête son ventre. On lui dit que, mais man, il y a quoi? Quand il enlève la main comme ça, tous les ça l'avait ouvert le ventre et le couteau. Oh mon Dieu. Oh Seigneur. Mais alors, toi qui as réussi à Doom au quatrième essai, quatrième tentative, qu'est-ce que tu donnes comme conseil? Parce que ton frère qui était là avant toi a dit qu'il conseille aux gens, il conseille aux jeunes de toujours partir du pays parce que c'est mieux là-bas. Toi, tu donnes quoi comme conseil? Parce que moi, personnellement, je conseille aux jeunes de rester au pays parce que c'est trop horrible. Moi, tout ce que j'entends comme témoignage, je trouve que c'est horrible, que ça ne vaut pas le coup. Toi, qu'est-ce que tu conseilles? Parce que tu pars, tu meurs, tu pars peu. Il y a très peu qui a traversé. Donc, toi, qu'est-ce que tu donnes comme conseil à tes frères et sœurs qui sont restés au pays? Chaque personne qui part du Cameroun, part du Cameroun, au moins avec 100 colos en moyenne. Normalement, 100 000, ça fait au moins Un fonds de 50 commerce. rejetons. Ça fait au moins 50 rejetons de plantain. Voilà. Donc, les gens peuvent rentrer au village, ils font les champs. Ils ne voient pas pourquoi les gens croient que le champ, mon frère, tu te concentres bien sur le champ, tu as l'argent. T'as même ta bonne petite femme, tu ne paies rien, tu ne vis même pas dans la pollution, tout ça. Il dit que Qui va encore être villageois au Cameroun? Qui va encore être les gars, villageois au Cameroun? Personne ne va plus être villageois. Tout le monde va maintenant être qu'en ville. Rien ne veut plus vivre au village. c'est la ville là maintenant, c'est la ville là maintenant alors, c'est la ville là maintenant alors qui les excite maintenant à sortir. Et quand ils regardent par exemple la Rémy qui avait un bain là-bas au désert. Oui. Selon les racontages, on dit qu'elle a vendu son salon Salon de de coiffure coiffure, 1 million. oui. Tu vois, un truc que, si elle avait même été wise même, elle pouvait laisser même ça à quelqu'un. Même les femmes qui travaillent avec elle, elle pouvait les laisser là travailler. Même son fils qu'elle avait laissé là, elle pouvait gérer ça. Donc ça dit qu'il y a la poisse que. Hey, mais voilà ça. Laisse t'hésiter 2 minutes. La porte et l'enfant là, pardon. Bonsoir Céline Ga, bonsoir à tous ceux qui viennent de se connecter. Partageons le direct. On parle comme ça. On est avec un frère qui nous raconte les péripéties de nos frères au Maroc. Et c'est vraiment difficile à écouter, mais on est bien obligé d'écouter parce que nous sommes dans la sensibilisation. Nous sommes là pour faire comprendre aux uns et aux autres et faire comprendre à nos frères qui sont encore au pays les différents dangers qu'ils encourent en prenant cette route. Voilà, donc partagez le direct s'il vous plaît. Ne soyez pas chiche en partage. Et en passant aussi, mettez les étoiles pour soutenir la page s'il vous plaît. Merci beaucoup. On t'écoute mon frère, parce qu'après je vais passer au sujet de Mekendoki et je vais arrêter bientôt. En passant aussi, trop de fraternité, ça dérange beaucoup parce que il y a les gens qu'on appelle ou c'est les Aoussa là. Les gens là, ils dérangent beaucoup en aventure. Ils tuent les Camerounais. Les derniers Camerounais qui sont morts, quand tu entends que les Camerounais se sont tués entre eux là, c'est les Aoussa là. Ils tuent les Pourquoi? Camerounais. Pourquoi?
Non, tu sais, les Haoussa, ils ont d'abord une frustration, d'abord, ils ont un problème. Tu sais, d'abord, Haoussa, d'abord, c'est quelque chose qui n'existe pas au Cameroun. Nous, on a les nordistes. Ce sont eux qui sont des musulmans et ils ont des villages au Cameroun, au nord. C'est des Camerounais. Mais les Haoussa, un Haoussa, il n'a pas de village. Si son père, qui tient du Mali ou du Sénégal ou du Niger ou du Nigeria, s'est installé à Douala, c'est Douala qui est chez lui. Voilà, nous, on les a acceptés. Mais il dérange. Il dérange beaucoup même. J'ai un combi là, on a choqué Mbeng ensemble. Ils l'ont tué là-bas. Mais oui, ils l'ont tué. Ils l'ont appelé. Ils l'ont même appelé au téléphone. Il est venu. Dès qu'il est entré, ils ont commencé à le blesser. C'est moi, mon fils, sont comme les vampires. Tu te demandes même quel avenir. Ils pensaient même d'aller vivre. Parce que quand nous, on pensait que on est peut-être parti du pays, on a laissé Mouna. On arrive ici encore, peut-être même que peut-être on pensait que non, si des mots russes, il faut qu'on ait encore des mounas. Mais quand toi, tu peux commencer à blesser les gens comme ça, là, tu sais que tu vas laisser tes enfants comment? Comment un enfant peut grandir, on lui dit que son père, c'était un blesseur qui C'est blessait les sûr. gens. Entre nous. Ça, c'est la malchance que. Je ne sais pas, les pays, quand tu les vois, ils sont noirs avec les yeux rouges comme la panthère qui a fumé le chanvre, là. C'est des maudits. Sales musulmans là, c'est des sorciers même les enfants là. Quand ils fument les histoires là, ça les monte à la tête. Et tu vois, parfois vous êtes comme ça là, tu vois un petit qui arrive, il est blessé parce qu'il est parti demander l'argent. En rentrant, ils savent que celui-ci sort faire la salam, il agresse, il veut un peu du si, il le On le blesse. Mais blesse, ça, oui. c'est quel bizarre. Regardez la vidéo qu'on a montrée un jour, on a diffusé une vidéo à Douala. Ils ont agressé une petite fille. La petite fille, à l'entrée du quartier, la petite fille les a demandé que, mais assez, les gars, mais. La petite fille me parle à la vidéo. La petite fille les a demandé que, mais les gars, mais vous me connaissez, non, mes petits. Comment ils peuvent entrer au quartier m'agresser? Et laisse, tu veux juste avec le sac là. Les gars l'ont tapé la machette à la nuque. La nuque était ouverte comme ça là. Et dit, quand la fille a parlé, sa voix sortait à 12%. Je ne suis pas sûr que la petite fille la meurt. Avec les trucs comme ça là, on va venir crier sur les rues. Non, avec les trucs comme ça. On monte aussi une armée, comme ils aiment toujours se regrouper dans les quartiers. On part là-bas, on décime tout le monde, on brûle les maisons, on les arrête, on part les rapatrier au Nigeria. Parce qu'ils n'aiment pas les Camerounais. Ils sont Camerounais, mais ils sont devenus Camerounais parce que leur père, on les a octroyé la nationalité. Mais ils n'aiment pas les Camerounais. Ils font du mal aux Camerounais partout. Ils ont toujours, quand ils arrivent, ils créent toujours leur clan. Ils dérangent. Ils ont même un modèle qu'ils sont musulmans, qu'ils ne sont pas comme nous. Ils sont musulmans. Quand ils font le désordre, on les arrête. Ils disent qu'ils sont Camerounais. Mais quand ils arrivent au Niger, ils font l'acte de naissance Niger parce qu'ils sont Niger. Quand ils arrivent au Niger, ils sont bloqués. Ils appellent leurs parents. Leurs parents disent que va dans tel quartier, dans telle ville, comme ça, tu as ta famille là-bas. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Oui, je comprends. Donc ça dit que c'est un problème qu'on est toujours là en train de regarder. Non, ce sont les frères. Zao, ce ne sont pas nos frères. Zao, ce sont les Nigériens, ce sont les Nigériens. Ils n'aiment pas les Camerounais, même s'ils sont nés au Cameroun. Et moi, je sais pourquoi d'autres Camerounais les aiment souvent. C'est parce qu'ils s'accoupinent avec eux pour voler. C'est tout. Mais le Camerounais, quand il vole, il ne coule pas le sang comme ça, là. Le Camerounais, il vole avec la tête. Nous tous, on a volé. On vole même encore, mais avec la tête. Voilà. Toi là, la reste, moi, et puis moi, là, ici, là. Si j'ai envie de te choisir là maintenant, il veut travailler avec ma tête. Et toi-même, tu sais ça. Il veut te choisir. Ah bon? Mais alors que lui, si là où ça lui vient là maintenant, qu'il veut te choisir, dès qu'il va te crier, tu vas dire que, hé, mon petit, mais tu vas agresser ta grande soeur, il te blesse directement. Mais ça, c'est quoi ça? C'est la jungle, c'est quoi? On a beaucoup de problèmes. Hein. On a beaucoup de problèmes. J'espère qu'on va finir par trouver tout ça. Bon. Merci beaucoup. À la poste centrale, là, tu peux que les gars arrachent les sacs là-bas. C'est eux. Ils dérangent, dis donc. Et ils ont le bad contre nous, hein, parce qu'ils disent que non, nous, on n'est pas musulmans. Et ils sont musulmans. Mais vous êtes musulmans. Un jour, j'ai demandé à. Il y a les petits là, toujours les mêmes là. On était dans un foyer là, quand je viens d'arriver en France, là, et tout. J'étais le seul Camerounais, même là-bas. Et tous là, Guinéens, Maliens, Machis, étaient tous des musulmans. Un jour, ils me disent que non, toi, t'es pas musulman, machin, et tout, et tout. Ils disent que non, le Tchétchène qui avait tué le français professeur là, machin, tout et tout, parce qu'il avait saboté leur prophète. Je lui ai demandé que toi, un blanc, et tu son frère blanc. Toi, tu viens dire qu'il a saboté ton prophète. Un noir comme toi, là, c'est ton prophète, toi. Et en plus,
Si toi, tu soutiens trop la cause musulmane, va en Arabie Saoudite, tu viens faire quoi en France? Est-ce que la France est un pays musulman? Les gens, là, ils dérangent. Moi, ils disent toujours que c'est une situation que il faut voir ça, il faut voir ça de près. Il dérange beaucoup. OK. Voilà. Bon. Merci Grand beaucoup, mon grand, pour ta participation. contribution. Merci infiniment. C'était très riche et on a appris beaucoup de choses, mais on va prendre quelqu'un d'autre et puis on va devoir continuer, je dirais, parce que je vais bientôt arrêter dans 20 minutes. Donc, merci beaucoup. Oui. Merci. De rien, ma tata, de rien. Merci. Bonne journée. OK. Un instant, s'il vous plaît. Je dois juste faire un instant. Donnez-moi 1 minute, s'il vous plaît. Oui. Okay. Ok, d'accord, merci, merci beaucoup. Ok, je vais vous montrer comme ça des vidéos que je viens de recevoir. Apparemment, certains Camerounais ont manifesté au Maroc pour justement s'indigner de cette barbarie. C'est horrible. C'est horrible. Donc, on va bientôt terminer. Mais Cathy, tu te trouves très, très, très dur. Hein? Je te trouve très, très, très dur. C'est vrai, il n'y a pas que les Camerounais qui manifestent là. Hein? C'est les Africains en général. On ne peut pas tuer leurs frères comme leurs frères sont morts là. Ils ne sortent pas au moins se crier leur ras-le-bol. C'est au moins la moindre chose qu'ils peuvent faire. Voilà. Et en sachant, t'as entendu tous les témoignages de ceux qui sont passés là, ils disent que quand même, quand on les arrête, on peut les jeter dans d'autres pays, dans d'autres villes marocaines là-bas, on les jette par-ci, par-là, on les jette dans des zones très, très, très éloignées pour les éloigner de la capitale. Mais tu n'entends, hormis ceux peut-être qui cassent leur pipe, ou bien ceux même qu'on casse leur pipe pour faire leur truc avec, tu n'entends pas qu'on a mis les gens en gâteau pour ça. On ne peut les tabasser, les faire ce qu'on leur fait, mais on les laisse au Cameroun, là-bas, chez nous, c'est pas pareil. Et puis bon. Bref, ce n'est pas une comparaison pour dire que non, mais c'est d'abord pour dire que c'est une bonne chose au moins qu'ils aient pu, qu'ils sortent au moins comme ça, s'indigner par rapport à tout ces, à tout, au traitement qu'on a infligé à leurs frères. Voilà, c'est aussi important. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est déjà quelque chose. Voilà. Donc, avant que mes deux enfants en appellent tout à l'heure pour intervenir, avec des interventions tellement riches, je vous parlais de Michel Ndoki. Mais malheureusement, je vais bientôt arrêter mon direct parce que c'est l'heure, bientôt, ça sera bientôt l'heure de mon sport. Alors, je parlais de Michèle Ndoki en vous disant que Michèle Ndoki est l'une des femmes camerounaises à nous avoir toutes fait rêver. Moi, en tant que femme, je me voyais en Michèle Ndoki, me disait, oui, enfin, les femmes se lèvent, oui, enfin, les femmes sont courageuses, oui, enfin. C'est-à-dire, on est tous tombés amoureuses d'elle. On lui a donné les noms pas possibles, des Barossa pas, les Bassessi, les Bassela, la fiancée du peuple. Quand on a vu tous l'intervention de Michèle Ndoki lors du Conseil constitutionnel, on était toutes contentes de voir une femme dans cette panoplie de femmes. Bonsoir, l'étoile caribienne. On était toutes contentes de voir une femme comme ça qui arrive dans cette panoplie d'hommes. On voit une femme qui est là avec éloquence, avec beaucoup de courage et qui vraiment, voilà, elle prend position. On était toutes fières de voir une femme au Cameroun aussi affronter, aussi porter, c'est-à-dire porter les mbangs comme des hommes et se battre pour la cause Cameroun. On était toutes contentes. Il n'y a pas, hormis les sardinats, mais nous, toutes les femmes qui suivons l'actualité, nous, toutes les femmes qui regardons certaines choses, nous sommes bien contentes de la posture de Michèle Ndoki.
Mais comme toute chose dans ces postures de ces femmes qui s'engagent en politique, elles caressent des rêves. Elles ont des rêves. Elles veulent soit être présidente, soit être députée, soit être maire. Et c'est le cas de Michèle Ndoki, et c'est le cas de beaucoup de personnes qui ont déjà dû quitter le bateau MRC à cause de leurs ambitions politiques, qui a été leur rêve, qui a été malheureusement brisé par le boycott aux dernières élections présidentielles qui avaient été initiées par Maurice Kamto et tout le directoire. Ça a certainement fâché beaucoup de personnes. Ça a certainement brisé le rêve de beaucoup de personnes. Et les conséquences de ça, c'est que c'est ça que nous continuons aujourd'hui à vivre à travers Michèle Ndoki. On a vu Paul Elukinge, on a vu Ndiamène, on a vu d'autres personnes dont je ne maîtrise pas les noms, qui ont dû quitter le bateau MRC. Mais moi, je vous assure que jusqu'à ce que Michèle Ndoki aille en Côte d'Ivoire, là où elle a dit être exilée, là où elle a dit fuir parce qu'elle se sentait menacée, j'avais encore de beaucoup de compassion, beaucoup de tristesse et même beaucoup de regrets. Je me suis dit, ah, c'est dommage. Oui, c'est vrai qu'elle aurait pu être une grande mère ou une députée. Elle a toutes les capacités. Attention, vraiment, elle a toutes ces capacités-là. Mais après, dans cette mésaventure où elles n'ont pas pu, certains n'ont pas pu réaliser leurs rêves, Michèle Ndoki n'a pas eu le courage ou alors la sincérité de quitter le MRC. Elle est restée bon gré, mal gré, avec un pied dedans, un pied dehors. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus en compassion pour elle. Quand elle nous a fait comprendre qu'elle était exilée et qu'elle se sentait menacée par le gouvernement, nous avons eu pitié. Nous avons eu même du mal. Mais quand est arrivée la mort de président Pendeï Koka, on a quand même vu certaines positions de Michèle Ndoki qui commençaient à prendre forme par rapport même à Pendeï Koka. On a vu que certaines positions de Michèle Ndoki, son soutien à Pendeï Koka, c'est voilà. On voyait moins la femme qui était censée dénoncer, la femme qui était censée porter des causes. On ne voyait plus cette personne-là. On voyait une personne qui était plutôt en train de se focaliser sur son sort, en train de se plaindre, en train de se lamenter, en train de nous expliquer ce qu'elle a perdu, en train de nous dire comment elle a perdu ses clients, elle a perdu son cabinet, elle a perdu, elle a perdu, elle a perdu, elle a perdu. Donc, c'était toute une liste de choses. Ce n'était plus la combattante, ce n'était plus la guerrière que nous avions devant nous. C'était une personne qui était déjà rongée par des regrets, par des remords, parce qu'elle n'a pas réussi à réaliser un rêve qui était celui d'être maire ou député. Jusqu'à là encore, je me suis dit, oui, elle n'est pas la seule personne à avoir été déçue et à s'être mise un peu de regret. Parce que quand je me rappelle encore qu'une jeune fille que j'aimais à l'époque, une certaine Marie Flomboumsi, qui a aussi pris beaucoup de recul, il y en a beaucoup qui après n'ont peut-être pas eu le courage d'Enjamin et des autres de s'exprimer, mais qui ont pris beaucoup de recul, qui sont devenues moins actives. Même les. Vous pouvez dire, où c'est notre blanche là, où c'est Bintou. Mais voilà autant de personnes qui n'ont pas peut-être réussi à réaliser leurs rêves, mais qui ont pris de recul, le recul d'une autre façon, et qui sont un peu mises à l'écart. Mais Michèle Ndoki, après cet échec, je ne peux pas dire ça, échec, après cette désillusion qui lui a malheureusement été imposée par le parti, elle n'a pas digéré. Et plus le temps passait, plus on se rendu compte qu'elle n'a vraiment pas digéré et qu'elle n'a même pas accepté. Elle n'a pas accepté cela parce qu'effectivement, je pense qu'il y a certains membres du parti à qui, si on avait sérieusement posé la question, ils auraient dit non, en l'occurrence des gens comme Michèle Ndoki. Parce que tu ne peux pas avoir dit oui, ne partons pas aux élections, ne participons pas à ces élections législatives et quoi. Et parallèlement, en amont, tu affiche une attitude de mécontentement. Ça veut dire que, au fond, elle s'est laissée embarquer bon gré mal gré. Elle était déjà, on va dire, elle était déjà mouillée. Elle a dit, oui, je suis la majorité. La majorité a dit ceci, je suis. On va voir ce que ça va donner. Peut-être que dans un an, dans 2 ans, la tendance va se renverser et je pourrais reprendre, les choses vont peut-être changer d'ici là et voilà. Donc, voilà Michèle Ndoki qui va s'exiler en Côte d'Ivoire, nous racontant ses mésaventures. Nous nous prenons encore tous
en tristesse pour elle. On est triste. On se dit, mais ouais, vraiment, comment ce gouvernement peut faire ça? Comment? Je fais partie des gens qui ont refusé de croire que Michel Ndoki pouvait être quelqu'un qui a été approché ou bien quelqu'un qui a été approché par le gouvernement. Je fais partie des personnes qui refusaient encore cette idée-là. Je me suis dit non, pas Michel Ndoki, pas elle. Autant j'avais la certitude qu'elle était beaucoup plus proche. Après tout ça, elle était beaucoup plus proche de Pendeï Okoka. Mais autant j'avais la certitude que oui, elle restait quand même l'une des principales alliées du président élu. Alors, je peux vous dire que j'ai un peu perdu de mon latin. Parce que quand même, Michel Ndoki a annoncé sa candidature, j'étais l'une des premières personnes à dire que j'apporte mon soutien à la candidature de Michel Ndoki au sein du MSC. Je l'ai dit, je l'ai publié sur ma page. J'ai dit qu'elle a le droit de poser sa candidature. Je l'ai dit. Parce qu'en tant que femme, déjà, j'estime qu'on a le droit de nous positionner. On a droit à tout. On n'a pas toujours dit que non, c'est une femme, elle n'a pas le droit d'être présidente. Non, c'est une femme, elle n'a pas le droit d'être ceci. Non, on a tous les droits. Si on a fait des études, même si on a fait des sacrifices, même si on a fait des formations, c'est parce qu'on estime que après cela, on peut occuper n'importe quel poste qu'un homme peut occuper. On n'a pas un cerveau différent des vôtres. Donc moi, j'étais parmi les premières personnes à dire, je suis d'accord que Michel Ndoki pose sa candidature. Je ne voyais aucun mal en cela. Mais mal m'en a pris quand j'ai commencé à voir, à lire. Le fait qu'elle remette en question même les statuts d'un parti qu'elle est censée maîtriser. Non seulement elle remet en question les statuts du parti, comme si cela ne suffisait pas. Ça fait beaucoup de remous. Ça fait beaucoup de remous. Je me suis dit, mais j'ai entendu des gens dire, des oiseaux de mauvais augure. Pour ça que personnellement, j'appelle ce genre de personnes les oiseaux. Je dis, non, les oiseaux de mauvais augure ont dit que Michel Ndoki a été approché par le gouvernement. Je fais partie de ceux qui ont aussi vu les mêmes photos de Michel Ndoki avec Christian Yaoui, avec Cabral. Et je me rappelle encore, il fut un temps, j'ai entendu les gens dire que Michel Ndoki avait été approché par Cabral et qu'elle voulait même quitter le MRC pour aller dans le PCN. Ces rumeurs ont couru. Peut-être qu'à ce moment-là, Michel avait jugé peut-être que ce n'était pas très gagnant pour elle, ou alors, en entrant dans le PCN, elle n'avait pas obtenu peut-être ce qu'elle voulait. Mais aujourd'hui, je vois encore cette même Michel Ndoki qui revient tout triomphalement de son exil, revient au Cameroun comme si de rien n'était, et nous sort des choses genre les statuts du parti, non, le président élu n'a plus le droit de se représenter. Non, je dis, mais il y a une chose qui, c'est là où je suis blessée. Je suis blessée parce que je suis une sympathisante du MSC. Je ne suis pas MSX, moi. Ça, je le dis toujours. Je ne suis pas MSI, je suis une sympathisante. Je fais partie de ces personnes qui aiment ce parti et qui veulent que ce parti aille loin. Parce qu'en ce parti, on voit vraiment des choses qu'on n'a pas encore vues depuis longtemps au niveau de la politique au Cameroun. On voit des choses. On voit des choses à travers ce parti, on voit des choses. Donc moi, je suis une sympathisante. Donc j'ai pris le temps. Même tu tagues Mado Keraro, je peux encore même te faire une confidence. Vous faire une confidence. Quand Mado Keraro a reçu Michel Ndoki ici, j'ai refusé d'aller à cette rencontre parce que on nous a fait comprendre que nous étant activistes, on n'a pas le droit d'aller se mélanger aux politiciennes. J'ai refusé cela. Je ne suis pas allée rencontrer Michel. Pourtant, j'en mourais d'envie. Et même après, j'étais certain que ça le mène. Tu vois là, on aurait dû aller voir Michel. Tu as vu, malheureusement, on n'a pas pu voir Michel Ndoki et tout, à cause que les activistes n'ont pas le droit de rencontrer les politiciennes. Donc, c'est pour vous dire l'admiration que nous avons tous pour elle. Quand vous voyez la façon dont Mado Kerado avait organisé la réception de Michel Ndoki ici en Europe, c'est pour vous dire l'impact qu'elle avait créé en nous. C'est-à-dire de voir cette femme avec autant de courage parmi les hommes, affronter ce gouvernement, affronter tout le monde, et avec un tel aura. Non, mais elle le méritait. On était tout enthousiaste de la suivre. On revoit aujourd'hui une personne qui revient
On se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je laisse même l'épisode de l'exil. Je me dis, non, peut-être, tu sais, au Cameroun, parfois, quand tu as une position, quand tu as quelqu'un qui est placé à tel endroit, on peut te dire que non, viens, j'assure, je vais assurer ton séjour. Non, reviens, il n'y a pas de souci, on peut aller négocier pour toi. Peut-être que Cabral est allé négocier même pour elle pour dire que laissez Michel revenir au Cameroun. Moi, j'ai réfléchi. On a quand même vu des activistes partir au Cameroun et revenir. Donc, Michel Ndokim, même étant exilé, pouvait aussi. Je me suis dit, non, bof, ça va. C'est pas. Oui, je me refusais. Je me refusais parce qu'en tant que femme, je me dis qu'on est censé avoir plus de crédibilité parce que nous, les femmes, il y a des choses qu'on voit avant vous, les hommes. Parfois, tu dis à ton mari, ne fais pas ça. Ne pars pas là-bas. Allez, ça dit donc, tu n'as pas parlé là pourquoi? Tu es toujours en train de parler. Même là, tu n'as pas parlé, tu ouvres ta bouche, tu parles tout, tu connais tout, tu connais tout. Tu crois que tu maîtrises. Il vient te dire que. Tu avais un peu raison, hein. Comme tu me disais de parler chez mon ami là qui boit beaucoup là. Tu avais un peu raison. Je suis parti, on a bu, on a même failli faire l'accident. Là, il vient te dire. Donc, moi, je voyais, je me suis dit, Michel Ndoki, c'est une femme. C'est-à-dire, on a toujours un peu cette petite vision d'avance. Ce que les hommes n'ont pas, c'est pas méchant. Donc j'avais encore 5%, 5% de mon cœur qui disait non, non, peut-être que, oui, ce n'est pas sûr que, peut-être que ce n'est que des spéculations. Peut-être qu'elle est seulement rentrée au Cameroun comme ça, parce que le Cameroun lui manquait, parce que c'était difficile. Je refuse de croire que le gouvernement est entré vraiment derrière elle et a pu ce gouvernement qui a failli l'achever avec N'Djamena au Cameroun. Ce gouvernement qu'elle maîtrise aussi bien. Ce gouvernement, elle a vu. Ce gouvernement qui a brisé ses rêves. Si elle n'est pas aujourd'hui maire ou députée, c'est à cause de ce gouvernement. Ce gouvernement qui a ramassé tous ses collègues politiques et a mis en prison. J'ose croire que Michel Ndoki avait de la sympathie pour Bibi Moussa. J'ose croire que Michel Ndoki avait de la sympathie pour Alain Foguet. J'ose croire que Michel Ndoki avait de la sympathie pour tous ces prisonniers. J'ose même croire que cette même Michel Ndoki avait de la sympathie même pour Petit Rodrigue qui est mort dernièrement. Michel Ndoki a cessé de s'apitoyer sur le sort de ses frères et sœurs militants qui sont embastillés. Elle n'a cessé de s'apitoyer son propre sort, de se plaindre de sa propre situation. Pourtant, elle est en liberté. Pourtant, elle est en liberté. Pourtant, elle a ses deux mains et ses deux pieds. Que va dire Serge Blanco Nana qui a passé 2 ans en prison, qui est ressorti, qui a tout perdu? Que va dire tous ces gens qui ont passé des années en prison, qui sont sortis, ont perdu même femme et enfants, ont été même. Que va dire Salomon Béas qui est encore en prison aujourd'hui? Que va dire ces gens qui ont fait, qui ont écopé de 5 ans, de 7 ans de prison? Michel Ndoki, tu n'as rien perdu. Je suis désolée, mais tu n'as rien perdu du tout. Tu n'as absolument rien perdu. Tu as ta liberté, tu as fait de la prison, tu as fait quelques mois en prison, comme les autres membres du directoire. Tu en es sortie plus forte. Tu n'as fait que 9 mois. Je ne disais pas que 9 mois, c'est petit. Non. Je ne peux pas cracher sur 9 mois de prison. Non. Parce que avec ça encore, tu as encore plus gagné mon respect et ma sympathie. Mais comment est-ce que tu as pu sortir après 9 mois et tourner complètement ton dos et laisser oublier cela? Qui sont entrés après toi. Comment tu as pu oublier ceux-là qui y sont encore? Tu ne te lamentes plus sur le sort de tes frères du parti qui sont encore en prison. Tu te lamentes seulement sur ce que tu as perdu, sur ce que. Que va dire Rodrigue, lui qui est parti? Toi, tu n'as pas perdu un enfant. Tu n'as pas perdu un père. Tu as perdu 9 mois de ta vie, oui. Tu as seulement perdu ton cabinet d'avocat, oui. Tu as seulement perdu de l'argent, oui. Tout ça ne vaut pas la vie de Rodrigue. Il y a des gens qui ont pris 5 ans qui sont en prison. Tu as complètement transformé la fiancée du peuple que tu étais. Que tu étais à nos yeux. Tu as complètement, en un temps de record, le temps d'un week-end, tu as pris un mauvais voile, tu as mis ton visage, Michel Ndoki. Ce visage si rayonnant, cette beauté si pure, cette femme Black Panther, toute la vraie beauté africaine n'est pas seulement belle sur le physique, tu es aussi belle dans la tête. Tu nous as gâtés, tu nous as brisés.
à travers tes sorties. Tu nous confirmes aujourd'hui. Tu es allé voir le président élu. Tu as discuté avec lui. Et tu reviens après cette belle discussion avec le président élu pour nous faire comprendre que M. Kamto n'est pas prêt à accepter l'alternance à la tête du parti. Que veux-tu insinuer, ma Lionne? C'est quoi ce venin que tu ne cesses de nous pomper dans l'esprit des uns et des autres? C'est quoi ce venin que tu ne cesses de répandre autour de toi? C'est quoi cette salissure que tu veux mettre sur ce parti, l'unique parti d'opposition qui reste au Cameroun aujourd'hui, c'est le MRC? C'est quoi cette salissure que tu veux mettre sur cette partie, sur ce parti? C'est quoi cette salissure que tu veux mettre sur ce parti? Nous croyons encore en la politique, en un changement au Cameroun, parce qu'on voit le dévouement de ce parti sur le terrain et dans les actes posés. Tu ne peux pas venir comme ça là, tel quelqu'un qui vient en mission kamikaze, Michel. Tu ne peux pas venir comme ça, comme si tu venais en mission kamikaze pour détruire ce parti. Ce parti donne de l'espoir aux gens, Madame Doki. Oui, ce parti nous fait comprendre qu'on peut faire la politique différemment. Ce parti nous fait comprendre, encore il y a de cela quelques mois, vous avez vu ce parti aller accompagner après le décès de Rodrigue, aller accompagner, continuer à prendre soin de la famille, continuer à accompagner les enfants, mettre de l'argent dans des comptes bancaires pour que les enfants puissent avoir un brin d'avenir demain. Combien de partis le font? C'est l'argent qui a été collecté par les militants. Ça ne vient pas des caisses de l'État camerounais, Madame Doki. Tu ne peux pas. Nous n'allons pas te laisser. Nous n'allons pas te laisser. Même moi, en tant qu'une femme, je ne peux pas tolérer une telle fourberie. Je ne peux pas tolérer une telle fourberie. Tu devrais avoir honte parce que tu as déshonoré. Nous, les femmes que nous sommes, tu nous as déshonoré. Tu es entré, l'esprit de la manipulation, l'esprit de la destruction de Bim Vondor s'est installé en toi. Tu as laissé ces gens t'atteindre, Michel. Tu as laissé ce gouvernement entrer dans ta vie, entrer en toi et te détruire. Demain, tu viendras pleurer que le MRC. Tu viendras en vouloir au MRC demain. Non, ce n'est pas au MRC qu'il faudra en vouloir. C'est à ce gouvernement qui t'a tendu la main et que tu as tendu également la main. Ton comportement aujourd'hui, il n'y a plus de doute. Même l'aveugle voit qu'il y a quelque chose qui se traficote. Même l'aveugle. Comment peux-tu nous dire que M. Kamto refuse l'alternance à la tête du parti? C'est vrai. Il y a des gens dans ce parti que si même demain, pas Kamto n'est pas là, ça ne peut pas être toi, Madame Doki. Ça ne peut pas être toi, je suis désolée. On va laisser Mamadou Mota à qui? Pour toi te mettre. Depuis que ce monsieur est sorti de la prison, il est au nord, il continue à se battre pour sa population. Il continue à se battre pour le parti. Toi, depuis que tu es sorti de la prison, tu as fait quoi pour ce parti? Tu as fait quoi pour ce parti? Tu ne cesses de faire les funérailles, de marcher les funérailles, t'atteilles partout. Oh, j'ai perdu. Oh. Madame Doki, c'est vrai que nous, les femmes, nous sommes friandes de pouvoir. C'est vrai que nous, les femmes, on a cru en toi parce qu'on s'est dit que toi, là où les hommes sont vraiment corruptibles facilement, toi, une femme, tu pouvais faire la différence. Comment est-ce possible, Michel? Comment, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ils t'ont promis quoi pour que tu viennes détruire le MRC? Ils t'ont promis quoi? Qui vont te donner quoi en 2025? Ou bien que quand Bill va avoir parti, toi, tu vas le remplacer? Si tu veux à tout prix être première dans le Cameroun, même dans le PCN, tu parlais t'inscrire. Même dans le PCN, tu parlais t'inscrire. Tu ne peux pas venir comme ça. Tu peux pas faire comme le bon match. Tu ne peux pas faufiler dans un parti pour nous détruire. Tu ne peux pas, on ne peut pas te laisser faire. Parce que ce que tu as fait de faire, même l'enfant de la maternelle voit que tes intentions ne sont pas bonnes. Nous voyons tous que tes intentions sont mauvaises et que tes intentions, c'est de détruire ce parti. Tu ne peux pas, Michel. Je tenais à te le dire aujourd'hui que tu ne peux pas. Ça n'a aucun rapport. Vous savez, à l'époque, avant, il y a encore ça, 2 jours, 3 jours, on aurait dit non. Et parlez pas comme ça à Michel Doki. Vous savez qu'elle sait.
protégeons là. Vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de bêtises au MRC. Non, ne parlez pas comme ça. Vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de ceci. Aujourd'hui, on s'en bat royalement les Mimbans. Je vous dis qu'on s'en bat royalement les Mimbans. Qu'il n'y en a plus qu'il n'y ait que un ou deux ou trois, on n'en a plus rien à foutre. Ah oui. Parce que c'est à force de vous de se dire, c'est la seule, ouais. Pardon, laissez un peu. Même si elle fait comme ça mal, laissons, non. Ce n'est pas grave. Sinon, après, on va encore dire que dans le MS, là, il n'y a pas beaucoup de... On s'en fiche. Non. On ne peut pas. Nous allons faire bloc. Nous, les sympathisants, nous, ces Camerounais qui avons soif du changement, nous, ces Camerounais qui voient de nos deux yeux comment le MSC est en train de se battre bec et ongle pour tenir tête à ce gouvernement, on ne peut pas laisser quelqu'un qui est missionné aujourd'hui. On ne peut pas laisser quelqu'un qui est missionné aujourd'hui pour venir nous détruire ce parti. Non, ce n'est pas le cadre du MSC. Donc, que quelqu'un ne dise pas que bonsoir Caroline Lagloire, que quelqu'un ne dise pas que je suis en train de négocier un poste. Bien que ce soit que de négocier quelque chose, je ne négocie absolument rien. Je suis une sympathisante. Je vois ce qui est bon, je dis que c'est bon. Je vois ce qui est bien, je dis que c'est bien. Mais aujourd'hui, même sympathisante, même simple observatrice, quand tu vois que quelqu'un vient pour détruire quelque chose qui peut aider le peuple, tu dois te lever et dire que non, la mère, arrête, ne détruis pas. Ne détruis pas. Vous pouvez me citer dans le RDPC. Combien de gens ont cassé la pipe. Et le RDPC a pris cette initiative d'accompagner la famille, d'ouvrir des comptes bancaires pour les enfants. Vous pouvez me citer un exemple dans le RDPC. Pourtant, c'est eux qui ont toute la caisse du pays entre leurs mains. Il n'y en a pas. Quand un parti a une âme, a un cœur, on doit, à travers les actes que pose ce parti, se dire à lui, si demain ils sont à la tête de ce pays, les choses peuvent être différentes. Ah oui, si demain, ils font telle chose, ça peut être mieux. Bêta encore, oui, bêta, ça nous donne de l'espoir. Ça nous fait comprendre que oui, une alternative, une vision différente est possible. Et que des gens, des hommes, avec une vision meilleure, sont là. Michel, on ne peut pas, maman, on ne peut pas. Tu as tapé poteau. Je dis que tu ne peux pas. La mission que les gens t'ont confiée, dis-leur qu'on a lu la lettre dans l'enveloppe. Avant que la lettre n'arrive, on avait tout lu ce qui était dedans. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine de partir, tu vas pour aller voir le président et tu fais le tweet. Tu n'as pas fait le tweet quand Rodrigue. Quand Rodrigue est mort, tu as fait un tweet. Est-ce que tu as fait un tweet quand Rodrigue est mort? Tu as fait un tweet quand on a condamné Nispa pour 7 ans de prison, tu as fait un tweet? Alors que Nispa est une femme comme toi, la présidente des femmes du MRC. Quand on l'a condamné, tu as fait un tweet? Ou depuis que tu es là, es-tu déjà une fois allé même faire manger pour ces prisonniers politiques? Tu as cessé de te battre. Tu ne penses qu'à ton ventre. Le parti de la mangeoire t'a contaminé. Oui, le parti de la mangeoire t'a contaminé. Ils t'ont donné combien pour détruire le MSC? Ils t'ont promis quoi? Pour que tu oublies tous ces sacrifices. Tu oublies que ce sont ces gens qui ont brisé tes rêves, Michel. Ce n'est pas quelqu'un du MSC qui a brisé tes rêves. Si ces gens qui viennent te corrompre aujourd'hui, qui viennent te murmurer à l'oreille, qui viennent te raconter des histoires, avaient respecté la voix des unes, avaient respecté les votes des Camerounais, tu serais député ou maire. Tu serais député ou maire, ça ne devait pas chauffer. Parce que tu avais toutes les capacités et tout le potentiel de l'être. Pourquoi vis-tu dans l'aigreur? Pourquoi vivre dans l'aigreur? Dans la vie, on peut rebondir. Donc, quand Papa de Mota est parti en prison, tu as fait 2 ans là. Il n'a pas perdu son boulot. Il a laissé femme et enfant. Il a fait 2 ans en prison. Il n'a rien perdu. Le vois-tu s'apitoyer sur ton sort comme toi depuis qu'il est sorti de prison? Non. Il ne s'apitoie pas. Parce que ce qui ne tue pas rend plus fort. Alors, je vais comme ça clôturer le jet en disant à ceci à Michel Ndoki. Michel, personne ne peut t'empêcher de postuler, de poser ta candidature à la tête du MRC. Personne. Mais je peux te dire que tu n'auras que ta voix, toi seul. C'est-à-dire que ce n'est que toi qui vas te voter. Parce que même les gens que j'entends dire, ils vont créer une unité, quoi, unité Ndoki à Bordeaux, unité Ndoki à ceci.
ne pourront pas te voter. Parce qu'aujourd'hui, on doit marcher avec la franchise. On ne doit pas voter rien parce qu'on est du même village. On ne doit pas voter rien parce qu'on est du même quartier. On ne doit pas voter rien parce qu'on est, on est amis d'enfance. Non. On vote les gens pour le potentiel, pour la capacité à pouvoir faire du bon travail demain. Et même dans le gouvernement de demain, je ne pense, je doute fort qu'on puisse faire appel à toi. Si jamais, si nos aïeux arrivaient à réaliser nos rêves, et que ce MRC, si talentueux, si courageux, arrive à prendre le pouvoir, je serais contre qu'on t'appelle dans ce gouvernement, Michel, parce que tu as montré que tu étais corruptible. Tu as montré que tu es quelqu'un qu'on peut corrompre. Les gens qu'on peut corrompre ne peuvent pas faire partie du gouvernement du MRC. Oui. Parce que le gouvernement MRC doit diriger le pays différemment. Pas avec les corrompus. Pas avec ce qui peut trahir avant le troisième cri du coq. Non. Michel Ndoki, je voulais te dire comme ça ce soir que tu peux changer. Tu peux changer dès ce soir. Tu peux changer de vision. Tu peux changer de vision. Oublie. Je te dis que même l'enfant qui vient de naître a déjà lu ton courrier. Oublie. Tu viens comme ça par toutes tes sorties, par l'ensemble de tous tes actes posés ces derniers temps, de nous montrer que tu as une mission. Mais Dieu merci, les Camerounais aujourd'hui sont tellement éveillés que tu ne peux plus. Cette mission, tu ne peux pas. Tu ne pourras pas. Parce que à peine tu poses, tu mets un if sur la toile, on a déjà compris le sens et la signification de ce mot. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas détruire ce parti. Parce que tu trouveras des femmes. Je n'ai pas dit des hommes. Tu trouveras des femmes devant toi pour t'en empêcher. Tu trouveras des femmes devant toi pour t'en empêcher. Pas des hommes, mais des femmes comme toi. Ce sera un combat à armes égales. Tu trouveras des femmes comme toi devant toi pour t'affronter. Tu ne peux pas aller te balader, aller en vacances, aller jouir du gouvernement sanguinaire et revenir nous dire, oui, après mon mot échange, je me rends compte que M. Kamto n'est pas prêt pour l'alternance à la tête du parti. Tout ce qui soit prêt pour l'alternance. Tout ce que le père a fait depuis, il ne voit pas. Je tiens à te dire, à te faire la petite confidence que même si lui ne voulait pas, aller tout faire pour qu'il le veuille. Parce que donc, son sacrifice, même si c'était président du Cameroun demain, ce ne sera pas la récompense de ça. Ça ne peut pas atteindre le sacrifice qu'il a fait. Je dis, même si M. Kamto était président du Cameroun demain, ça ne peut pas atteindre le sacrifice qu'il a fait. Quand des gens, tout ce que nous faisons, les lois que nous faisons, c'est nous qui les écrivons, nous les êtres humains. Nous pouvons les changer. Nous pouvons les changer. Maman Doki, je vais te dire une chose. Regarde Poutine. Poutine était président en Russie. Poutine était un bon président en Russie. Le pouvoir, les lois ne lui permettaient pas de se représenter deux secondes après. Poutine a mis quelqu'un d'autre et est revenu reprendre sa même place. Et le peuple a voté. Pas dans une démocratie à 100%, mais tu comprends que même si c'est un dictateur et il est apprécié parce pas une bonne quantité de Russes, je vous dis ça pourquoi. Je dois vous dire que Maman Doki, même si Maurice Kamto lui-même, aujourd'hui peut-être, il s'était avéré même que les statuts ne lui permettaient même plus de se présenter. Nous-mêmes, on a demandé qu'il se présente parce qu'il le mérite. Bonsoir France Champagne. Nous-mêmes, on a demandé de se présenter. Je vais vous dire encore une chose. Moi, ça fait 12 ans que je suis présidente de ma réunion, une réunion que je fais ici à Paris avec des femmes, des hommes et des femmes, je vous assure. C'est-à-dire des Camerounais, les vrais Camerounais. Les vrais Camerounais. Ne me demandez pas s'il y a des faux Camerounais, mais des vrais Camerounais. Alors, comme je suis combattante, on sait tous à la réunion que je suis combattante, à chaque fois, on va gagner les élections, hein. On va changer le bureau. On va tout changer dans la réunion-ci. Alors, au début,
Je suis ouverte à la démocratie puisque je me bats pour ça, pour la démocratie. Vous savez, pour qu'une réunion reste, pour qu'une réunion perdure, il faut la tenir, pas de bras de fer, mais avec beaucoup de concessions. Il faut faire beaucoup de concessions pour que cette réunion reste. Alors, on a constaté qu'à chaque année, qu'on prenait de nouveaux adhérents, chacun venait dire non, on ne veut pas ceci, ce statut. Non, on ne veut pas cela. On a commencé, on est tombé dans le piège, on changeait tout. Dès que quelqu'un vient, il dit on change. Quelqu'un vient, il dit on change. À un moment donné, j'ai dit stop. Ça fait 8 ans qu'on est là. Toi, tu es arrivé aujourd'hui, tu dis qu'on doit tout changer. L'année prochaine, tu vas peut-être repartir. Nous, ça fait 8 ans qu'on est là, on se bat. On nous a fait ceci, on se bat, on supporte. Maurice Kamto fait partie donc. Je dis ça pour vous dire que Maurice Kamto fait partie de l'âme du MRC. Peut-être que même si lui-même, je dis, même s'il ne voulait pas, on lui dit que non, papa, on va te mettre là. Parce que là est ta place. Parce que là est ta place. Mais maman Doki, où on t'a promis quoi? Où on t'a dit quoi? Où on t'a dit que c'est toi qui devais être la nouvelle première dame du Cameroun? S'il te plaît, épargne-nous. Épargne-nous. Tu étais encore l'une des seules. Non, il y en a encore quelques-unes qui nous faisaient comprendre que les femmes combattent différemment. Mais tu viens par ces actes. Ne le porte pas mon maillot. Hein. C'est porté, c'est de l'eau. Ah, d'accord. Tu viens par ces actes nous montrer que vraiment, il faut réfléchir à deux fois avant de faire confiance. C'était comme ça mon mot de fin. On va revenir dessus dans un direct encore plus détaillé dans les jours à venir. Mais là, le coach va me tuer les oreilles, mais il faut que j'aille faire mon sport. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci pour les partages. Merci, merci, merci. Peut-être à demain, peut-être après-demain. Dès que j'aurai un petit temps, je viendrai encore parce qu'il faut qu'on continue à sensibiliser. Il faut qu'on continue à exposer cette Michèle Doki qui veut venir nous semer le trouble au sein de l'unique parti d'opposition du Cameroun. On doit la stopper net. Merci infiniment. Bye.